chers commissaires, nous pouvons ouvrir les travaux de notre commission. Et ouvrant notre ordre du jour, la parole est à Madame Maison pour sa demande d'explication relative au quatrième monitoring des projets de logement public en région de Bruxelles-Capitale. Je vous remercie Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ce 29 mai, le quatrième numéro du monitoring réalisé par le référent bruxellois du logement a été publié sur le site de Perspective. Cette quatrième édition actualise les données en date du 1er janvier 2020. Tout d'abord, il dresse un état des lieux de la construction des logements publics prévus dans le cadre du plan régional du logement et du programme Alliance Habitat. Le PRL, plan régional du logement, prévoit la construction de 5000 logements publics, 3500 sociaux et 1500 moyens, en confiant cette mission à trois opérateurs immobiliers publics, SLRB, Fonds du logement et SFAR. Et cela avance. Entre le précédent état des lieux en mars 2019 et en janvier 2020, 327 logements ont été réceptionnés par les différents opérateurs. 15 ans après le lancement du programme, les trois opérateurs immobiliers avaient atteint ensemble 57,9% des objectifs du plan. Par ailleurs, le référent relève que le taux de réalisation du PRL s'avère être nettement plus élevé pour les logements sociaux, 65%, que pour les logements moyens, 42%. Pour sa part, le programme Alliance Habitat, lancé en 2013, a pour objectif de construire 6 720 nouveaux logements publics et prévoit à cette fin plusieurs opérateurs, SLRB, Fonds du logement également, CityDev, Community Land Trust, communes par le biais des contrats de quartier durables. Dans ce quatrième numéro du monitoring des logements publics, le référent constate qu'en 2019, le rythme de production des nouveaux logements publics planifiés dans l'Alliance Habitat s'est accéléré par rapport aux années précédentes. Donc, il y a 275 logements pour la même période, mars 2019 et janvier 2020, qui ont pu être réceptionnés par les différents maîtres de l'ouvrage. Les chiffres publiés dans le tableau de bord indiquent que 6 ans après le lancement du programme, c'est 29,3% du taux de réalisation, dont on peut évidemment se réjouir. À l'exception notable de CityDev, les différents opérateurs ne sont toutefois pas encore parvenus à réaliser 50% des objectifs qui leur ont été assignés dans le cadre de ce programme et que la SLRB accuse toujours un retard important au niveau de l'identification des 1000 logements moyens locatifs qu'elle a été chargée de développer. En outre, le monitoring relève que le nombre de dossiers figurant dans la catégorie en attente a augmenté de façon significative en 10 mois. Cette catégorie regroupe les dossiers dont le traitement est suspendu de façon temporaire dans l'attente de l'élaboration d'un plan urbanistique ou en raison d'incertitudes diverses. Alors, lorsqu'on examine l'ensemble des projets de production de logements publics qui s'inscrivent soit dans le plan régional du logement dans l'Alliance Habitat, plus ceux qui sont développés par les opérateurs en dehors de ces deux grands programmes, le référent recense 2188 logements réputés en attente en janvier 2020. Et il y en a 1619 pour les deux programmes les plus importants. Alors, on analyse évidemment les motifs du blocage de ces différents dossiers. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, finalement, les blocages communaux concernent seulement 18% des logements réputés en attente. Et donc, on impute, dans l'immense majorité des cas, la mise en arrêt temporaire des projets aux procédures d'élaboration du dossier, qu'il s'agisse d'une temporisation de l'opérateur ou bien d'un motif urbanistique. Madame la secrétaire d'État, quels enseignements avez-vous tirés de ce quatrième monitoring? Comment expliquez-vous que le taux de réalisation du PRL est nettement plus élevé pour les logements sociaux qu'il ne l'est pour les logements moyens? Pour quelles raisons la SLRB peine-t-elle à identifier 1000 logements moyens locatifs qu'elle doit produire dans le cadre du programme Alliance Habitat? La région a-t-elle formulé des recommandations à l'intention de la SLRB afin d'aider celle-ci à identifier ses logements dans les meilleurs délais? Comment interprétez-vous les résultats de l'analyse des motifs du blocage réalisé par le référent? Sur base des résultats de cette étude, quelles mesures le gouvernement bruxellois a-t-il prévu en vue de lever les différents obstacles politiques, administratifs et urbanistiques ayant pour effet de ralentir la production de logements publics dans notre région? Dans la DPR, le gouvernement bruxellois annonce qu'il, je cite, achèvera dans les 5 ans la construction des 6400 logements prévus par le PRL et la H. Pour rappel, les chiffres publiés montrent qu'en date du 1er janvier, les taux de réalisation étaient estimés respectivement à 57,9 et à 29,3. L'objectif de réalisation dans les 4 ans de ces 6400 derniers logements planifiés dans le PRL et l'Alliance Habitat
vous paraît-elle réaliste? Avez-vous assigné aux différents opérateurs des objectifs quantitatifs pour chaque année? Combien de logements publics devraient-ils être réceptionnés dans le courant de l'année 2020? Le gouvernement a-t-il pris des mesures visant à raccourcir les délais de production des logements publics dans notre région? Enfin, le quatrième monitoring contient des statistiques précises par rapport à la proportion de logements à finalité sociale dans l'ensemble du parc immobilier résidentiel bruxellois. Dans la DPR, le gouvernement affirme qu'à terme, il conviendra de disposer de 15% de logements à finalité sociale sur l'ensemble de la région, répartis de façon équilibrée, commune et par quartier. On en a parlé lors de la précédente commission. À cet égard, il importe de rappeler, c'est très important, que les autorités régionales développent une conception extensive de la notion de logement à finalité sociale, cette notion englobant les logements sociaux modérés et moyens, locatifs ou acquisitifs, produits par l'ensemble des opérateurs précités, plus les CISP, plus les CPAS. L'IPSA, en janvier 2019, dénombrait 580 000 logements sur le territoire de notre région. Sur base des données communiquées par les différents opérateurs publics, le référent du logement recense un total de 67 863 logements en finalité sociale, ce qui représente 11,5% de l'ensemble du parc immobilier résidentiel de notre région. Alors, si on veut atteindre l'objectif de 15%, il faudrait pouvoir disposer d'environ 87 000 habitation à finalité sociale, il y a donc 19 000 unités manquantes, ce qui devrait être résorbé. Si les opérateurs immobiliers publics bruxellois parvenaient à construire, à acquérir ou en prendre en gestion 20 000 logements à finalité sociale supplémentaires, ils pourraient alors offrir une solution à 40% des ménages précarisés actuellement inscrits sur les listes d'attente des CISP. Les données du quatrième monitoring indiquent que pour l'heure, la barre des 15% d'habitations en finalité sociale n'est franchie que par 7 communes bruxelloises. On en a également parlé lors de précédentes commissions. Je termine. Madame la secrétaire d'État, votre plan d'urgence pour la politique sociale du logement devrait-il permettre à la région d'accroître son parc de logements en finalité sociale de 20 000 unités, de manière à pouvoir atteindre l'objectif ambitieux des 15% de la DPR? D'après les estimations réalisées par votre administration, la région de Bruxelles-Capitale devrait-elle être en mesure de franchir la barre des 15% d'habitations en finalité sociale au cours de cette législature, ou pourrait-elle seulement s'en approcher? Alors, le référent bruxellois du logement dans le monitoring le rappel, la DPR prévoit que le gouvernement, dans l'année de son installation, révisera la réglementation relative aux charges d'urbanisme, dont le fait générateur est le logement, en vue de privilégier la création de logements publics et sociaux. Dans les communes où la part de logements sociaux est inférieure à l'objectif de 15% et où les indices socio-économiques sont plus élevés que la moyenne régionale, les charges d'urbanisme sont obligatoirement consacrées à la création de logements sociaux ou à finalité sociale. Où en est le projet de la réglementation relative aux charges d'urbanisme? Avez-vous commencé à collaborer avec le secrétaire d'État bruxellois chargé de l'urbanisme afin de préparer la modification de l'arrêt 2013 relatif aux charges d'urbanisme et ainsi de pouvoir réorienter celle-ci vers la production de logements sociaux ou à finalité sociale? Je vous remercie, Madame la Présidente, pour votre tolérance, Madame la Ministre, pour vos réponses. Il y en a qui vont m'en vouloir ici. Voilà, la parole. Voilà. La parole est à Monsieur Uriagli d'abord, puis Monsieur Lux et Madame de Smet après. Merci, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État. Le référent bruxellois du logement, chargé par le gouvernement, a donc récemment finalisé son tableau de bord des projets de logement public en région de Bruxelles-Capitale. Le quatrième numéro du monitoring des logements publics, édité par perspective.brussels, reprend donc les principaux chiffres et renseignements des différentes politiques mises en place, notamment ceux liés à l'état d'avancement du plan régional du logement et du programme Alliance Habitat, en date du 1er janvier 2020, comme l'a très largement expliqué notre collègue Joël. Dans cette publication, on peut lire que le gouvernement accorde de l'importance à l'objectif de disposer de 15% de logements à finalité sociale sur l'ensemble du territoire régional, répartis de manière équilibrée par commune et par quartier. Cette disposition est clairement explicitée dans sa DPR. Au 1er janvier 2019, l'Institut bruxellois de la statistique et de l'analyse recensait un peu moins de 580 000 logements à l'échelle régionale. L'objectif de 15% équivaut dès lors à disposer de près de 87 000 logements à finalité sociale. À ce jour, un peu moins de 67 900 logements répondent à la définition du logement à finalité sociale reprise dans la DPR, soit 11,5% du nombre total de logements.
De fait, la région devrait donc encadrer la production d'un peu moins de 20 000 logements supplémentaires pour atteindre l'objectif fixé par le gouvernement. Bien que le gouvernement insiste sur l'objectif de viser une répartition équilibrée à l'échelle des communes et des quartiers, on sait qu'il existe des disparités entre les communes. Cette commune atteigne l'objectif des 15%, Madame Maison les a cités. Il est tout à fait réaliste de penser que la commune de Berkem pourra ainsi atteindre ce pourcentage d'ici la fin de la législature. Pour les communes d'Ixelles, de Haut-Lieu-Saint-Pierre et Ducle, par contre, construire ou acquérir entre 2000 et 5000 logements selon la commune pour atteindre l'objectif du gouvernement semble utopique, même à long terme. Madame la secrétaire d'État, le monitoring confirme que l'objectif est difficilement atteignable pour les communes de la première couronne, vu l'absence ou la raréfaction de réserves foncières. Il y a 10 591 logements en projet à l'échelle régionale actuellement. La moyenne régionale de logements à finalité sociale augmentera de 1,7% pour atteindre 13,26%. Mais cette progression sera essentiellement rendue possible grâce à des communes qui dépassent déjà l'objectif des 15%, à savoir Anderlecht, la ville de Bruxelles, bien entendu, et Molenbeek. On a pourtant besoin de toutes les forces vives, vu le manque criant de logements. J'en viens à mes questions. Il me reste 10 secondes. Quels sont les moyens que vous mettez à disposition des communes là où le foncier se fait plus rare et à disposition des CISP volontaires pour les aider à produire ou acquérir du logement public à finalité sociale? Pour les communes qui seraient réfractaires à tout effort, avez-vous réfléchi à des leviers potentiels pour parvenir à les convaincre? Lapsus révélateur. Enfin, vu la réalité de terrain, que pensez-vous de la solution qui serait apportée par la densification de la deuxième couronne qui est préconisée dans le PRD? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, M. Uriagli. La parole est à M. Lux. Merci, Madame la Présidente. L'exhaustivité dans la mise en contexte de ces questions, c'est Joël, serais-je tenté de dire. Blague à part, je vais remercier Monsieur ma collègue Lux, Maison. La marque a été déposée par Joël. Bien, voilà. Tu lui transmettras ses références. Donc, merci beaucoup pour cette mise en contexte qui, effectivement, me permet de ne pas devoir le faire. Je ne répéterai donc pas les questions qui ont déjà été posées, mais je vais me permettre de pointer quelques éléments qui me semblent importants, qui, pour certains, ont déjà été amenés en commission il y a 2 semaines, mais c'est pas grave, ça se complète. Et c'est très bien comme ça. Quatrième monitoring des projets de logement public en région bruxelloise, réalisé par le référent au logement, Yvan de Castel, que je me permets de remercier pour la qualité de son travail ici, parce que je pense que ça permet à tout le monde de suivre l'évolution d'un enjeu ô combien important et qui connaît un certain nombre de difficultés dont nous avons déjà eu l'occasion de discuter. Alors, premier élément sur lequel je souhaitais revenir, c'est le logement modéré et moyen. Plusieurs constats sont, de mon point de vue, à faire à ce sujet. Le premier, c'est des gros retards et des difficultés à mettre en location, au point où des projets de logement modéré ou moyen sont, et ont en tout cas été converti en logement social. On en a discuté la fois précédente. Il y a une évaluation qui est prévue dans le cadre du projet de la SLRB. Et c'est très bien comme ça. Près de 50 000 ménages en attente d'un logement social à Bruxelles. Et le troisième constat, c'est notre déclaration de politique régionale qui prévoit une socialisation des logements publics autres que ceux détenus dans les CISP. On a aussi parlé, mais c'est un des constats que je souhaitais mettre en avant pour amener mon développement. C'est le fait que je plaide une nouvelle fois pour la mise en œuvre d'une réelle évaluation du logement... Je vais trop vite. Excusez-moi. Je m'excuse. Et du coup, je suggérais la fois passée qu'une évaluation plus large que celle de la SLRB puisse avoir lieu, notamment par des chercheurs, sur l'intérêt de ce logement moyen et modéré pour répondre à la crise de l'accès au logement. Je voulais savoir si cette suggestion avait pu avoir un écho favorable au sein de votre cabinet. Je plaide aussi pour que nous cessions de nous acharner à ce stade-ci tant que l'évaluation... Simplement, je vous ai suggéré la fois passée qu'une étude plus large puisse être faite sur la pertinence du logement modéré et moyen pour répondre à la crise d'accès au logement. Je voulais savoir si c'est une proposition qui a pu avoir un écho favorable ou pourrait avoir un écho favorable au sein de votre cabinet. Le deuxième point que je voulais amener par rapport au logement modéré et moyen est également de se dire que le logement social
fonctionne. Il y a un public cible très clairement identifié, contrairement au logement modéré moyen qui semble ne pas fonctionner. Donc en attendant de l'évaluation, moi je suggère qu'on avance à plein pot, si je puis dire comme ça, dans les projets de logements sociaux pour éviter en réalité qu'on ait des mois perdus de non-location de logements modérés et moyens, tant qu'en tout cas on n'a pas trouvé des solutions adéquates pour ces types de logements. Et enfin, par rapport au logement modéré et moyen, gardons aussi à l'esprit que la lutte pour l'accès et le droit au logement passe évidemment par le logement locatif public, mais doit aussi concerner le logement privé et notamment la question des loyers qui ne cesse d'augmenter. On l'a vu encore dans des récents articles de presse. Donc toute la question de l'évolution du loyer, du marché pardon, privé doit pouvoir être traitée. Alors sur les freins à la construction, on a également eu l'occasion d'en parler. Je souhaitais ramener quelques éléments sur les contraintes urbanistiques. D'abord, vous demander si vous pouviez préciser le calendrier au sujet de la mise en œuvre des modifications du COBAT, qui évidemment a un impact fort sur la construction de logements sociaux. Sur les charges d'urbanisme, globalement, on a un système qui, en tout cas, est très fort questionné et par le référent au logement et par les associations actives dans le secteur de l'urbanisme et plus largement de développement urbain. Donc, je voulais vous questionner sur le fait de savoir si le travail sur les charges d'urbanisme avait-il bien commencé, si un agenda avait été défini par rapport à cela. Par rapport aux blocages communaux, que 18%, mais 18% sur plusieurs milliers de logements, ça représente quand même un paquet qui potentiellement pourrait, qui pourrait ne pas avoir ce frein-là. Et donc je trouve, il y a un exemple très récent qui est arrivé dans la presse hier, un blocage d'un projet dans une commune bruxelloise, et donc je pense que c'est quand même un élément sur lequel on pourrait avoir la main, notamment dans le cas de la contractualisation qui est envisagée avec les communes. Et à ce sujet, je voulais savoir si l'agenda, je vous avais peut-être déjà donné la réponse, mais je ne m'en souviens plus, des rencontres restantes avec les communes que vous n'avez pas encore l'occasion de rencontrer avaient déjà été établies, et si effectivement la contractualisation allait pouvoir aboutir rapidement. Et enfin, et j'en terminerai par là, sur la question du fonctionnement de la SLRB et des CISP. On a aussi eu l'occasion d'échanger à ce sujet, mais je pense qu'il y a la nécessité, effectivement, de pointer ce sur quoi on a sans doute le plus facilement la main, c'est-à-dire les services qui gèrent la construction de logements. Et dans ce cadre-là, je me permets de revenir avec une question que j'avais déjà posée, de savoir si vous aviez maintenant bien reçu le rapport d'audit dans le cadre de l'audit de la SLRB, et si vous avez bien prévu de venir nous le présenter prochainement. Je vous remercie. Merci. Je voudrais juste quand même attirer votre attention dans le cadre des interventions qu'il faut quand même bien rester dans le cadre de ici dans ce cas-ci, la demande d'explication en tout cas de la question posée et des questions posées et d'avoir, ça dépasse un peu le cadre de la question et de l'autre côté avoir peut-être trop de questions très précise à la secrétaire d'État, je ne sais pas si elle va pouvoir avoir la possibilité de répondre. Je pense qu'il faut juste, mais surtout, s'il vous plaît, de bien rester dans le cadre de la question. Voilà. Je comprends aussi, parce que ça va tellement vite. Quoi ? Non, mais c'est vrai que j'ai regardé pas de crainte, on va pas... Voilà, jusqu'à maintenant, on était... On reste très large, donc pas besoin d'aller trop vite. On ne va pas être trop large non plus, parce que alors le timing... faut quand même qu'on essaie de respecter un maximum le temps. Bon, ça dépasse un petit peu, je ne coupe pas, donc ça ne sert à rien de parler. C'est vrai que pour nous servir de traduction, ça sera un exercice un peu difficile. Mais voilà, mais surtout, je pense aussi pouvoir rester vraiment dans le cadre des questions posées. Je passe la parole à Madame de Smet. Juste, Madame la Présidente, je tiens évidemment à m'excuser pour le débit de mes questions. Je serai particulièrement attentif, et notamment pour les services qui réalisent un travail précieux. Et effectivement, je n'avais pas cela à l'esprit. Je serai donc très attentif. La parole est à Madame de Smet. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Secrétaire d'État, donc dans la déclaration de politique générale, il y a effectivement, vous êtes engagée à construire 6400 logements publics sur 5 ans. Alors, si on fait un simple petit calcul, ça voudrait dire qu'on devrait en fait produire 1280 logements par an, en moyenne. Et donc, on a des nouvelles maintenant que sur un an, on a 275 logements qui ont été produits du plan Alliance Habitat. Ce qui montre qu'on est déjà... en retard, en fait, par rapport à ce qu'on devrait avoir pour arriver aux 6400 logements. Donc voilà, pour nous, ça nous semble encore fort lent
Et on a du coup des gros doutes qu'on va arriver à ces 6400 logements d'ici 4 ans maintenant. Alors, contrairement à ce que laissait sous-entendre Madame Maison dans son intervention sur... on avait l'impression qu'on avançait beaucoup sur le logement social, mais je rappelle quand même que ces dernières années, on est à une production moyenne de 110 logements par an. Donc on considère plutôt qu'on est dans un bilan assez catastrophique par rapport aux besoins des gens. On est toujours à plus de 40 000 personnes sur la liste d'attente. Alors, je sais que vous avez déjà déclaré plusieurs fois que vous comptez sur le clé sur porte, que vous comptez sur le rachat directement au privé de logements neufs, etc. Mais donc, en tout cas, sur cette année-ci, on n'a pas l'impression qu'on va tellement plus vite avec ces mécanismes-là par rapport au passé. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à ça pour accélérer la production de logements ? Alors, quant aux 15% de logements à finalité sociale, donc, Madame Maison l'a bien décrit dans son interpellation aussi, donc, à finalité sociale, c'est un terme un peu fourre-tout, on va dire, où on retrouve dedans toute une série de types de logements, pas seulement le logement social. Et pour revenir aussi sur ce qui a déjà été discuté aux commissions précédentes, effectivement, se retrouve dans la définition de logement à finalité sociale, les logements modérés ou moyens. Or, on voit effectivement que le loyer est déjà important, ce qui empêche déjà beaucoup de familles d'y avoir accès. Et donc, est-ce que vous avez prévu, dans ce cadre-là, de revoir la définition des 15% de logements que vous allez produire, surtout qu'avec la crise économique qui nous attend, le coronavirus qui s'est rajouté à tout ça, on a encore plus de familles probablement qui auront besoin d'avoir accès à des logements sociaux, puisqu'il y a eu des pertes de revenus au cours de cette crise aussi. Donc est-ce que vous avez prévu de revoir la définition des 15%? Est-ce qu'on va se diriger vers 15% du coup de logements sociaux à produire et plus juste à finalité sociale? Je vous remercie. Merci Madame Desmet. Pas d'autres interventions? Voilà, la parole est à Madame la secrétaire d'État pour sa réponse. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie pour toutes vos questions. Alors les enseignements que je tire du quatrième numéro du monitoring des projets de logement public sont pluriels. Il faut d'abord constater que l'année 2019 a battu tous les records en termes de réception provisoire. Si on comptabilise tous les opérateurs et programmes confondus, donc c'est-à-dire l'Alliance Habitat, le plan régional du logement et autres missions déléguées pour la SLRB, CityDev, les contrats de quartier, le CLTB, le Fonds du logement et le SFAR, ce sont près de 1361 logements qui ont été réceptionnés. L'année 2020 devrait connaître un millier de réceptions également, même si on doit encore analyser précisément les effets de la crise sanitaire qui aura freiné de quelques mois les chantiers actuellement en cours. Ces chiffres sont réjouissants, car ce sont autant de solutions concrètes pour répondre à la crise du logement. Et un autre enseignement est la lenteur des opérations. Il faut, c'est vrai, 5 à 10 ans pour faire sortir un projet de terre, mais l'urbanisme prend du temps, ça a été dit, et on le sait tous. Ce monitoring le confirme et permet de préciser en fait où se situent les freins, et j'y reviendrai un peu plus tard dans mon exposé. Les acquisitions clés sur porte sont à ce titre une excellente alternative et qui permet de donner un coup d'accélérateur à la production publique de logements. Je crois que le monitoring montre des réalités locales fort différentes. Certaines communes n'absorbent que peu de projets de logement public, alors que d'autres communes font un travail considérable. Les contestations locales ne peuvent pas tout expliquer, même si elles existent bel et bien de la part d'élus ou de riverains. C'est aussi une réalité du tissu urbain qui dicte les opportunités. Saint-Gilles et Saint-Josse, par exemple, déjà densément bâtis, et quasi aucune opportunité financière n'existe, alors que dans d'autres communes, de deuxième couronne, ça a été dit aussi, dispose encore de terrains à bâtir. Concernant les facteurs susceptibles d'expliquer pourquoi le taux de réalisation du PRL est nettement plus élevé pour les logements sociaux qu'il ne l'est pour les logements moyens, là, j'ai identifié plusieurs causes à ce faible taux de logement moyen dans l'opérateur régional du logement et dans l'Alliance Habitat. Donc la première, elle est financière. Le subside régional à l'investissement est de 50% pour la production de logements sociaux et de 33,33% pour la production de logements moyens.
Il est donc nettement moins intéressant pour les CISP de produire des logements moyens que des logements sociaux. La seconde raison est la définition du cadre légal autorisant les CISP à louer des logements moyens. Le 1er janvier 2014, l'article 67/9 du Code du logement autorisant les CISP à gérer du logement moyen est entré en vigueur. L'arrêté définissant les règles d'attribution des logements moyens et le calcul du loyer est entré en vigueur le 1er mars 2018. Et pour tout projet précédant cette date, les CISP ne pouvaient donc pas encore louer de logements moyens dans un cadre clair. En l'absence de cadre réglementaire, aucune CISP ne s'est engagée à gérer des logements moyens. Et les seuls gestionnaires pouvant louer du logement moyen avant 2018, donc les communes et les CPS, étaient les communes et les CPS, mais cette situation a désormais changé. La troisième raison se trouve du côté du loyer de ce type de logement. Comme vous le savez, pour le logement social, la différence entre le loyer réel et le loyer de base est compensée à 75% par l'allocation régionale de solidarité. Or, ce mécanisme n'existe pas pour le logement moyen, ce qui peut le rendre moins attractif. Enfin, la quatrième raison se situe au niveau de la définition du seuil de logement moyen. La mise en application de l'article 69, paragraphe 9 du Code du logement, offre la possibilité aux CISP de gérer du logement moyen sous certaines conditions, dont celle de ne pas dépasser le seuil des 20% du total de l'opération et 10% du nombre total de logements de la CISP. Le taux de 20% peut être porté avec 40% d'une dérogation du gouvernement. Or, ce taux de 20% de logement moyen ou 40% avec dérogation n'est certainement pas appliqué de façon systématique. Dans tous les projets, il y a encore bon nombre de projets qui prévoient 100% de logements sociaux. Et vous aurez vite compris que ce qui explique que les objectifs de 30% de logements moyens dans le cadre du plan régional du logement et de 20% de logements moyens dans le cadre de l'Alliance Habitat sont plus difficiles à atteindre que les objectifs purs en fait, de logements sociaux. Par ailleurs, comme j'ai déjà pu l'évoquer lors de précédentes commissions, certains logements moyens ne trouvent pas de bénéficiaires. Nous devons donc rester attentifs à pouvoir aussi promouvoir la mixité au sein du logement à finalité sociale, tout en assurant son effectivité. Concernant les motifs de blocage des projets de construction de nouveaux logements publics, nous les connaissons fort bien. Octroi de permis d'urbanisme, implication différenciée des communes concernées, multitude d'acteurs, maîtrise d'ouvrage par d'autres acteurs ou encore des coûts à l'adjudication trop élevés. C'est pour cette raison que j'ai notamment pu avancer sur une procédure accélérée d'instruction des permis d'urbanisme pour des projets de logements sociaux, tels que déjà expliqué, je pense, dans une précédente commission suite à une question de Madame Maison. Alors, ce projet passe en deuxième lecture au gouvernement avant les congés de cet été. Donc, la collaboration entre Urban et la SLRB avance également et avance très bien. Il ne faut par ailleurs pas sous-estimer certains blocages communaux et contestations riveraines qui grèvent l'avancée des projets à différents stades de réalisation. J'ai fait le constat que la contestation des logements sociaux est un véritable sport régional à Bruxelles. Je ne baisse bien entendu pas les bras et j'achèverai un premier tour des communes avant l'été. Il nous reste encore deux communes à rencontrer. Bon, j'en ai déjà fait 17. C'est pas mal, hein. Savoir si un budget sera prévu pour les communes, ça fera l'objet en tout cas de discussions lors de discussions budgétaires au sein du gouvernement, mais c'est prévu, évidemment. Je dois vous dire que ces rencontres sont vraiment très enrichissantes. En tout cas, il y a de belles collaborations possibles. Je compte beaucoup sur les acteurs communaux. Je pense qu'une certaine confiance aussi a été établie entre eux et nous. Le but étant vraiment d'arriver à un consensus, d'arriver à trouver des solutions sur les dossiers qui bloquaient. Comme je le disais, je ne baisse jamais les bras, je n'abandonne jamais. Même si ce sont des projets qui sont bloqués depuis de nombreuses années, je pense qu'on peut arriver à faire la différence en discutant avec ces acteurs-là, en les comprenant. Mais il n'y a pas que la ville, il y a d'autres communes. La parole est à Madame la Ministre. Et en les comprenant, en comprenant aussi certaines réalités qu'eux vivent, il est important aussi d'en tenir compte. Et le but, c'est vraiment de ne froisser personne, mais d'arriver surtout
un consensus et de pouvoir débloquer les projets ensemble. Normalement, on devrait voir aboutir nos contrats communs logement d'ici la rentrée, parce que ça fera partie de notre plan d'urgence. On est sur la bonne voie. On pourra vous annoncer des bonnes nouvelles, normalement, sur certains projets. Et j'ai rencontré Watermal il y a quelques semaines, et ça s'est très bien passé. Très bien passé, de très bons contacts. Jeudi passé, oui. Mais j'avais répondu, je pense. Hein. Oui, j'avais répondu semaine passée. Voilà, ça c'est pour clos la parenthèse pour la question commune qui m'avait été posée. Mais je pense que M. Lux avait aussi posé la même question. Donc ça suit son cours et ça suit très bien son cours. Et je ne vais pas ici maintenant dévoiler toutes les discussions que j'ai pu avoir avec toutes ces communes-là. Parce que comme je vous le dis, il y a vraiment un climat de confiance qui s'est instauré entre eux et nous, et le but c'est de conclure ce contrat commune, région et commune en étroite collaboration, et que chacun puisse émettre les objectifs qu'il souhaite viser, et ce ne sera pas un contrat unique ou un copier-coller, ce sera vraiment un contrat spécifique à la commune avec ses besoins et ses spécificités. Alors, concernant la question sur l'identification de nouveaux logements dans les meilleurs délais, alors la DPR prévoit la mise en place d'une stratégie d'acquisition par le gouvernement. J'ai bon espoir de pouvoir l'initier dans les prochains mois. Et en parallèle, je souhaite que la SLRB lance un appel à projet pour mobiliser le secteur privé dès l'amont sur base d'un cahier des charges redéfinissant l'exemplarité du logement public. Je pense que là-dessus aussi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises et que chacun connaît aujourd'hui la position du gouvernement en la matière. Cette stratégie doit permettre aussi de venir combler le déficit des logements qui n'auront pas pu être achevés d'ici la fin de cette législature qui était prévue par le PRL et l'Alliance Habitat, à savoir les 6400 logements restants. Et comme vous le savez, dans notre plan relance aussi, nous avons un budget qui a été débloqué pour l'achat immédiat de logements sociaux, ce qui montre tout de même une dynamique et une volonté du gouvernement de vouloir avancer au plus vite sur l'achat de logements et prouver que c'est possible. Ceci permet de répondre à vos questions sur la manière dont je compte raccourcir les délais de production. J'apporte une double réponse. D'abord, c'est la procédure de permis d'urbanisme accéléré. Ensuite, comme je le disais, c'est l'acquisition des projets qui sont portés par d'autres acteurs et donc qui fait peser sur leurs épaules toutes les étapes du montage de projet. La SLRB n'est intervenant que comme acquéreur final, donc on parle d'une durée ici d'un projet de 2 ans environ au lieu de 5 à 10 ans qui sont en fait nécessaires en temps normal. Cette comparaison donc ne dit rien d'autre sinon que les politiques publiques systématisent, encadrent et contrôlent de manière telle la production de logements qu'il est devenu parfois plus efficace et plus rapide en fait d'acheter du logement. En ce qui concerne la question sur les objectifs de chaque opérateur dans le cadre du PRL de l'Alliance Habitat, ceux-ci restent identiques à ce que le gouvernement a imposé lors de leur approbation. On reste donc sur le cadre initial. C'était votre question. En ce qui concerne les projections des réceptions provisoires qui doivent intervenir en 2020, ceci est évidemment très compliqué à dire étant donné l'arrêt des chantiers durant le confinement, mais je ne peux donc vous confirmer l'ordre de grandeur de 1000 logements environ, donc tout opérateur et programme confondu, et après l'été et la reprise des chantiers, on devrait normalement y voir un peu plus clair. Ensuite, concernant la question sur le projet de révision de la réglementation relative aux charges d'urbanisme, il y en a eu plusieurs, vous, c'est Madame Maison. Évidemment que j'ai des discussions avec mon collègue Pascal Smet, qui est en charge de l'urbanisme. Donc la crise aura toutefois mis ce projet à l'arrêt, mais ce chantier reste et sera une priorité pour le deuxième semestre. Concernant l'objectif de 15% de logements en finalité sociale sur l'ensemble du territoire de la région. Alors il est certain que ce gouvernement ne pourra pas construire en 4 ans près de 20 000 logements et qu'on ne va pas faire sortir de terre 20 000 logements. Mais c'est un objectif en fait qu'il faut se viser, qu'on vise à terme. Donc on n'a jamais dit qu'on allait avoir tout de suite près de 15% de logements sociaux sur tout le territoire de la région. Ce serait vraiment très compliqué à réaliser, mais c'est une vision vers quoi il faut tendre, et c'est ce que le ministre-président aussi a toujours évoqué.
Donc nous sommes dans une vision de la répartition du logement à finalité sociale sur le temps moyen. Il s'agira de l'équilibrer par commune et par quartier. Le monitoring des logements publics fait état de 11,5% de logements à finalité sociale au 1er janvier 2019. Et en comptabilisant tous les projets qui sont dans les cartons actuellement, nous passerons normalement à 13,3%, ce qui constitue un saut en fait de 2 points. Je compte bien contribuer à l'accomplissement de cette vision en délivrant des logements auxquels je me suis engagée sous cette législature et en m'inscrivant dans cette perspective, vous l'aurez compris. Comme question complémentaire, auquel j'ai déjà répondu commune, j'ai répondu, monsieur Leux. Le timing au niveau de la modification du COBAT, par contre, ça c'est pleinement de la compétence de mon collègue Pascal Smet. Projet d'audit, nous allons avoir toutes les infos jeudi prochain. Il sera ensuite présenté au gouvernement dès la rentrée et on prévoit aussi une présentation de l'audit de la SLRD ici en commission. Normalement, enfin, ça se réglera très rapidement avec KPMG. Voilà, tous ces aspects techniques, je ne m'en charge pas, mais normalement, une présentation est prévue ici aussi dès la rentrée. Et oui, Madame de Smet, c'est vrai, vous avez aussi tout à fait raison, ça a été dit comme d'autres. La construction dure beaucoup plus longtemps, effectivement, c'est pourquoi on va faire appel à des clés sur porte, mais aussi plusieurs mécanismes qu'on est en train de revoir vont figurer aussi dans le plan d'urgence, qui sera aussi présenté dans quelques semaines, et donc pour faire en sorte de pouvoir acheter plus rapidement du logement social. Je pense avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Que je n'ai pas... Ouais. Voilà, j'ai répondu à tout. Voilà. Je vous remercie. Merci, Madame la Secrétaire d'État. Voilà, la parole est à Madame Maison et je rappelle le timing qu'on va essayer de respecter au maximum maintenant. 3 minutes pour Madame Maison et 2 minutes pour les autres intervenants. Madame Maison. Xal Probert, merci Madame la Présidente. Je vous remercie Madame la Ministre, Madame la Secrétaire d'État pour la sincérité et la complétude de vos réponses et aussi pour votre proactivité, le dynamisme dont vous faites preuve. Alors, il y a effectivement, vous avez mis en exergue les choses qui étaient moins réjouissantes. Alors, ce qui est réjouissant, c'est que ça s'accélère finalement, durant l'année écoulée en tout cas, et ce sont les perspectives que vous nous avez annoncées. Alors, par rapport à la réticence logement moyen versus logement sociaux, je crois que vous avez cité 4 motifs, il y en a 2 sur lesquels vous auriez quand même un levier d'action qui sont évidemment la question de la hauteur des subsides, 50% versus 33%, je comprends, mais vous pouvez avoir un impact là-dessus, et sur le fait aussi que oui, je ne sais plus ce que c'est. Bref. Ah non, c'est sur l'allocation régionale de solidarité. Effectivement, ce sont 2 paramètres. Merci pour que le compte-rendu ne fasse pas état de mes hésitations. En revanche, c'est très encourageant de se dire que les 6 maintenant peuvent gérer des logements moyens de façon encadrée, et donc ça va encore accélérer le processus. Je vous remercie aussi de votre dialogue constructif avec les communes. Je crois que c'est très très important d'avoir ce lien bienveillant, soutenu et tenant compte des particularités locales. Ça a beaucoup manqué dans les années qui précèdent entre communes et régions. Alors effectivement, on constate aussi, et de vos réponses, l'importance de diversifier les outils qui permettent d'offrir des logements aux personnes qui disposent de revenus faibles ou modérés ou moyens afin qu'elles puissent louer sur le marché privé. Vous me voyez venir. L'allocation loyer, bien entendu, mais pas seulement, je ne suis pas monomaniaque. Il y a les AIS, je vous ai envoyé d'ailleurs une question écrite il n'y a pas si longtemps à propos des proportions de logements finançables par AIS, c'est actuellement 450 unités. Je voulais vous poser aussi la question des dérogations accordées et des perspectives d'élargissement de cette dérogation. C'est aussi un outil qui nous permettrait aussi d'élargir la base et l'accessibilité du logement aux familles les plus précarisées. Aussi les outils de gestion publique, on en a abondamment parlé effectivement la semaine passée. Et il y a quelques années, Oder Games avait quand même
permis de libérer 400 logements et de les remettre sur le marché. Et alors ça, c'est plus politique et idéologique, mais je pense que pour ouvrir le droit au logement à un maximum de personnes, il faudrait un permis de location dans les quartiers où les marchands de sommeil sévissent le plus, une grande concertation entre les agents de la DIR, la police, les services communaux et régionaux de l'urbanisme. Et enfin, je souhaiterais, je trouverais que ce serait une mesure vraiment utile, que les frais de relogement des locataires victimes de bailleurs qui mettent en location des biens insalubres soient à charge de ces bailleurs. Donc voilà, quelques pistes esquissées. De toute façon, on aura encore abondamment le temps d'en parler ultérieurement. Merci Madame Maison. La parole est à Monsieur Houry pour 2 minutes. Houry. Merci Madame la Présidente. Madame la Secrétaire d'État, donc merci pour votre ténacité, comme vous avez dit là tout à l'heure. Merci pour vos réponses complètes et sincères. Je suis assez satisfait sur vos explications à cette demande d'explication. Simplement sur la densification, je pense que vous n'avez pas répondu, mais je ne vous en veux pas. Je pense que vous allez quand même suivre ce qui est préconisé par le PRDD et non le PRD que j'ai dit là tout à l'heure. Donc, et c'est un grand débat, la densification. Voilà. Vous ne devez pas répondre là-dessus. Merci. Merci, Monsieur Houry. La parole est à Monsieur Lux. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Secrétaire d'État, pour toutes ces réponses. Je suis, au-delà de toutes les réponses que vous avez pu donner, tout à fait satisfait de savoir que cet audit, effectivement, va aboutir et nous sera présenté. C'était l'objet de ma demande. Je pense que c'est un enjeu particulièrement important dans une séquence qui l'est tout autant. Rappelons-le, les difficultés, voire le scandale au foyer Molenbeekois, ce travail qui a eu lieu au logement Molenbeekois, ce travail qui a eu lieu au sein de ce Parlement, les recommandations, cet audit, et puis le nouveau, je ne tombe plus sur mes mots, pas contrat cadre, contrat de gestion, merci, de la SLRB, qui viendra en fin d'année. Donc je pense vraiment que c'est un enjeu particulièrement important et dont on doit pouvoir se saisir ici au sein de cette commission. Et je voulais terminer en soulignant l'énergie manifeste que vous mettez dans les défis qui sont les vôtres en tant que membre du gouvernement en charge du logement. C'est particulièrement nécessaire et important compte tenu de l'enjeu et de l'ampleur des défis et de la nécessité d'avancer le plus vite possible compte tenu du fait qu'on le sait, les décisions qui sont prises en matière de politique de logement et en particulier en matière de construction de logements en réalité mettent des mois, voire des années à se matérialiser. Et donc je vous invite effectivement à continuer à vous battre avec une telle énergie pour que les choses puissent avancer le plus rapidement possible, y compris quand c'est des compétences de vos collègues de pouvoir les pousser à avancer, puisque l'objectif est aussi de créer du logement quand on parle du COBAT et des dérogations ou des charges d'urbanisme. Je vous remercie. Voilà. La parole est à Madame Smet. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Secrétaire d'État pour toutes vos réponses. Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre au rapport un peu un tableau, donc les 1361 logements dont vous avez parlé? Oui, donc la ventilation suivant le type de logement, les différents opérateurs. Il y a moyen de mettre ça au... Les 1361 sont détaillés. Ok. Ok. Et concernant aussi la... Parce que vous avez parlé de réception provisoire, est-ce que ça veut dire qu'ils sont encore tous en attente ou bien il y en a déjà qui sont accessibles? Provisoire, ok. Merci. Juste très brièvement pour revenir sur la réplique de Madame Maison, je vous rejoins sur plusieurs points, mais seulement sur la location au loyer. Allez, vous savez, je suis loyale à l'accord de gouvernement. Ce qu'il y a dans l'accord de gouvernement, je compte le mettre en œuvre. Seulement, la manière dont avait été imaginée la location au loyer ne me convenait pas. Donc j'ai de l'ambition pour cette allocation loyer. Je vise un public beaucoup plus large que ce qui avait été prévu. C'est vrai qu'il faut du temps. Il a fallu du temps pour revoir ce mécanisme-là et toutes ces procédures-là. J'estime que quand on met un projet et qu'on veut viser surtout un public beaucoup plus large, ça nécessite de temps. Il faut que le travail soit bien fait. Alors c'est vrai que ça a mis peut-être un peu plus de temps que prévu, mais sachez qu'on y travaille, enfin elle est prête, c'est même pas qu'on y travaille, c'est qu'on y a travaillé et qu'elle est prête, mais seulement cela nécessite du budget supplémentaire tel que je l'ai imaginé. Évidemment les discussions budgétaires auront lieu dès la rentrée,
Mais je suis ravie, en tout cas, voilà, de vous entendre là-dessus et surtout d'avoir le soutien de tous les groupes de la majorité pour pouvoir avancer sur l'allocation de loyer tel que je l'ai imaginé. Parce qu'il y a des groupes cibles tout de même que je veux intégrer dans l'allocation loyer. Donc c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps, mais on est arrivé vraiment à un projet aujourd'hui qu'on peut être fier, je pense. Hein, sur la manière dont nous l'avons imaginé. Okay. Pour répondre aussi à la question de M. Ouréagli, c'est vrai que je n'ai pas répondu, je me souviens maintenant de vos questions sur les communes qui disposent suffisamment déjà de logements sociaux et qui n'ont pas suffisamment de terrain à bâtir. On a eu ces discussions-là avec les bourgmestres, avec les échevins, notamment à Kuckelberg, à Saint-Josse, à Ixelles. Alors pour ces communes-là, il faudra faire preuve d'imagination, c'est vrai. Il faudra penser notamment à la socialisation, comme elle se trouve dans l'accord de gouvernement, ou alors via notre appel à projet pour l'acquisition d'immeubles déjà existants qu'on pourrait reconvertir en logement social. Donc tout ça, ça fait l'objet de discussions avec les communes. Mais comme je vous l'ai dit, je n'avance pas seule. On a besoin de communes pour pouvoir avancer sur ces dossiers-là. Et moi, je veux vraiment que ce soit un accord commun et que les communes se sentent bien aussi avec la vision que je souhaite développer au niveau du logement. Parce qu'imposer pour imposer, ça ne sert à rien, parce qu'après, on arrive tout de même à des blocages. Donc, ce n'est pas ça le but. Voilà, notre pays est fait de compromis et de discussions. Et c'est comme ça qu'on arrive ensuite, je pense, à aboutir surtout à des projets positifs. Voilà. Madame la ministre. Clôturer. Madame Maison, vous avez encore une... Non, la seule ce qui peut, c'est Madame Maison. Mais comme la parole est toujours la dernière parole de parlementaire, la parole est à Madame Maison. Monsieur Ouréagli, la parole est à Madame Maison. Merci Madame la Présidente. Mais je crois que c'est important ce qui vient d'être dit. Je vous remercie Madame la Secrétaire d'État. C'est vrai, ne nous le cachons pas, il y a eu... Enfin, moi j'étais très avide de cette mise en œuvre, de cette allocation loyer. Et c'est vrai que, voilà, c'est pas un reproche, mais forcément vous n'aviez pas un feu vert pour avancer autrement. C'est une décision collégiale, vous devez avoir l'accord de tout le monde. Et en même temps, donc, vous n'arrivez pas à répondre de manière claire à mes questions, qui étaient la mise en œuvre sous la mouture de décembre ou une nouvelle mise en œuvre selon une mouture améliorée par vos soins. Et donc, c'est ça qui a cristallisé un peu les quelques tensions et qui m'a exhortée aussi à poser énormément de questions. Mais voilà, maintenant, les choses sont éclaircies, je vous en remercie. Et je ne doute pas qu'effectivement, viser un public plus large et peut-être plus opportun avec quelque chose de plus, comment dire, de plus simple à exécuter, sera tout profit pour ces ménages qui sont en attente sur une liste d'attente de logements sociaux. Voilà. Merci, Madame Maison. Par rapport à la demande de Madame de Smet concernant la ventilation, donc elle ne pourra pas être évidemment en annexe au rapport ici. Par contre, elle pourra apparaître dans le bulletin des travaux. Voilà. L'incident est clos pour cette question. Nous passons à la demande d'explication de Madame Jauneau relative à l'anticipation de la fin du moratoire sur les expulsions. La parole est à Madame Jauneau. Merci, mais je pense que nous sommes pas mal ici à être assez inquiets de ce qui va se passer après la fin du moratoire sur les expulsions. On se rappellera que vu la crise sanitaire, tout le monde était bien d'accord pour dire qu'il était hors de question que des gens se retrouvent à la rue, et donc tout le monde a soutenu le gouvernement dans sa volonté de mettre un moratoire sur les expulsions domiciliaires et de le prolonger jusqu'au 31 août pour pouvoir gérer cela le plus calmement possible. Néanmoins, certaines décisions judiciaires et administratives ont déjà été introduites et sont en attente. Donc, on est tous assez inquiets de savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce moratoire. Vous allez me dire, on est dans un monde tellement changeant qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer à la rentrée, et malheureusement, on parle de plus en plus de seconde vague. Néanmoins, je pense que c'était vraiment important d'anticiper les différentes possibilités. Et tout le monde s'inquiétant de ces baisses de revenus importantes auxquelles ont été confrontées toute une série de locataires, différents outils ont été déployés. Il y a eu la prime Corona, il y a eu des enveloppes budgétaires accordées par le fédéral, la région et les communes
au CPS, et il a été clairement indiqué que dans le boulot des CPS, il y aurait ces coups de pouce loyers qui devaient être octroyés. Néanmoins, quand on discute avec les gens qui sont au plus proche du terrain des plus précaires, il y a quand même une grosse inquiétude sur ce qui pourrait se passer. Imaginons que le lendemain de la fin du moratoire, on ait des dizaines, des centaines de familles qui d'un seul coup se voient confrontées à des risques d'expulsion. On serait vraiment là devant une catastrophe sociale de grande ampleur, parce que si tout le monde doit se reloger, etc., les services sociaux seront vraiment en très grande difficulté pour accompagner ces familles. Et donc c'est pour ça qu'on voulait un peu faire le point avec vous sur qu'est-ce qui a été mis en place pour éviter cette situation, pour qu'on ne se retrouve pas le 1er septembre avec une véritable catastrophe sociale. On avait eu l'occasion d'en discuter. Il y a pour l'instant des files pour recevoir des colis alimentaires. On n'a pas envie que demain il y ait des files de gens qui nous demandent en catastrophe de les reloger. Donc il faut au maximum anticiper cette situation. On sait que différents mécanismes avaient été pensés. Je sais qu'en Wallonie, à un moment, ils ont même envisagé de permettre aux juges de regarder les situations des personnes, leur perte de revenus, mais aussi de regarder les situations des propriétaires et de voir un peu au cas par cas ce qu'on pouvait faire, parce qu'on sait que les situations sont très différentes entre un petit propriétaire avec une micro-pension et qui a besoin du complément loyer et d'autres propriétaires qui peuvent se permettre d'être nettement plus généreux. Et donc c'est pour ça qu'on voulait faire le point un peu avec vous avant justement cette échéance du 31 août. Quel travail de détection des familles en difficulté de paiement de loyer est fait? Comment, avec quel type d'acteurs? Comment est-ce que c'est réalisé? Parce que à l'heure actuelle, au niveau des CPS, on se rend compte qu'il y a encore toute une série de personnes qui sont un peu tétanisées et qui ne poussent pas les portes à l'heure actuelle et qui restent dans ces difficultés. Quel travail éventuellement de détection est fait des propriétaires qui seront en difficulté, parce que je pense que les solutions ne sont pas les mêmes en fonction des types de propriétaires qui sont confrontés au non-paiement. Quel accompagnement ciblé des familles est fait pour éviter les demandes d'expulsion et puis ensuite pour les gérer? Comment est préparée cette situation sociale potentiellement dramatique? Quelles actions sont lancées, avec quels acteurs, et au niveau des possibilités de relogement, par exemple dans les logements publics, avec les occupations précaires et autres, qu'est-ce qui est développé pour qu'on puisse réagir si jamais on se retrouve avec des dizaines de familles qui sont en difficulté au mois de septembre? Je vous remercie. Madame de Smet. Merci, Madame la Présidente. Pour rebondir sur ce que Madame Genot dit, effectivement, donc on a déjà prolongé plusieurs fois le moratoire contre les expulsions, sachant qu'il y avait effectivement plein de problèmes pour les gens et des risques de se faire expulser. Donc ma première question, c'est, parce que quand je vois qu'on a encore prolongé aussi l'interdiction des coupures d'eau et d'énergie jusqu'au 31 mars 2021, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi encore prolonger jusqu'à cette période-là le moratoire contre les expulsions, le temps que les gens puissent se retourner par rapport aux problèmes qu'ils ont connus pendant le confinement? Ça, c'est une première chose. Et puis, j'ai aussi des questions, effectivement, par rapport au relogement. Est-ce que il y a des choses qui sont prévues par rapport à ça? Est-ce que il y a aussi des procédures accélérées qui vont être mises en place pour récupérer et créer du logement d'urgence, on va dire, que ce soit les logements vides ou encore les bureaux vides dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a des analyses un peu de la situation qui vont être faites par rapport à ça pour qu'on puisse trouver des solutions d'urgence pour, à la fin du moratoire, retrouver des solutions pour les familles? Je vous remercie. Pas d'autres interventions. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Madame les députés. Juste pour vous dire aussi que l'interpellation, les questions qui me sont posées ne relèvent pas aussi totalement de ma compétence, mais partagées avec mon collègue Alain Marron. Donc voici déjà les éléments en commun que je peux vous apporter. Alors concernant l'anticipation de la pré-crise, la crise entraînera
vous l'avez dit aussi, vraisemblablement une crise supplémentaire de l'accès au logement par la précarisation d'un plus grand nombre de ménages. Cet aspect est encore difficile à mesurer à ce stade, mais il semble acquis néanmoins qu'il faut s'attendre à une détérioration de la situation sociale dans les prochains mois. La politique d'action sociale d'aide aux plus précaires et d'aide aux personnes sans abri risque d'être très probablement être mise sous une pression supplémentaire assez forte. En anticipation de la crise, de la sortie de la crise, pardon, mon cabinet et celui de Monsieur Marron, nous avons élaboré une stratégie globale à court terme, moyen terme et à long terme. Donc, il s'agit de protéger les personnes sans abri diagnostiquées Covid-19, d'éviter que de nombreuses personnes et familles lourdement touchées par la crise ne perdent leur logement, de trouver à brève échéance des solutions pour les personnes accueillies provisoirement dans les dispositifs d'urgence Covid, d'entamer dès que possible la mise en place de mesures structurelles d'amélioration de l'accès au logement et de lutte contre la perte de logement, de diminuer le non-accès aux droits des personnes sans abri, d'améliorer la qualité des infrastructures dans lesquelles est organisé l'accueil collectif des sans-abri. La manière de prendre en compte ces objectifs est de booster les mesures ambitieuses prévues par l'accord du gouvernement sont, parce que la question était pour la semaine passée, donc ont été validées semaine passée dans notre plan de relance. Donc la prévention de la perte de logement et des expulsions doit, en effet, vous avez raison, constituer une priorité. Une partie des moyens récemment dégagés par le gouvernement pour soutenir, donc les CPS seront affectés à cette mission. Des conventions seront conclues avec chacun des CPS dans les semaines à venir. On fait également un monitoring régulier avec les CPS pour savoir quelle famille est en difficulté, d'avoir vraiment une vue sur la situation problématique de ces familles-là. Alors à ce jour, le cabinet de M. Macron m'a signifié que les services Habitat accompagné, donc présent en fait dans deux communes, il s'agit de Saint-Gilles et Bruxelles, et les services de guidance à domicile peuvent contribuer à l'accompagnement des familles en difficulté, qui est à ce jour prévu pour 600 ménages. Voici les éléments de réponse que je peux vous apporter. La parole est à Madame Genot pour sa réplique. Merci. Mais donc, c'est clair qu'il n'y a pas de solution facile à mettre en œuvre rapidement et autres. Mais vous avez parlé de la situation des SDF, que je connais bien. J'ai souvent eu l'occasion d'échanger avec le cabinet Marron sur les difficultés. Mais donc là, tout l'enjeu ici, c'est justement de ne pas créer de nouveaux SDF. Parce qu'à l'heure actuelle, on a les SDF qui sont encore en rue. On a les SDF qui sont dans les équipements réquisitionnés et qu'on essaye de reloger par rapport à ceux, principalement ceux qui ont des documents de séjour. Mais là, on parle encore d'une autre catégorie. C'est une catégorie qu'on ne souhaite pas retrouver dans la rue, et on sait que faire un accompagnement de rue, ça coûte cher, ça se passe dans des conditions désastreuses pour les personnes. Donc je pense qu'il est vraiment important d'essayer d'éviter cela au plus fort. Et donc j'entends qu'il y a un monitoring des CPS, mais moi les échos que j'ai des CPS, c'est qu'à l'heure actuelle ils sont étonnés du peu de gens en fait qui encore arrivent chez eux. C'est vraiment le début. Donc ils ont leur public à eux, mais qui n'a pas subi une perte de revenus énorme, puisque les pauvres, ils vivent déjà avec quasiment rien en CPS. Mais les nouveaux publics ne poussent pas beaucoup la porte des CPS pour l'instant. Et donc clairement, il y a un travail à faire pour que le matching se fasse avant que ce soit trop tard. On sait que les gens, c'est quand ils vont recevoir les lettres de huissier qui disent que c'est foutu, c'est à ce moment-là qu'ils vont arriver si on ne les incite pas de manière vraiment importante à aller. Et je pense que le message n'est pas encore passé. Et donc on ne peut pas commencer un accompagnement en matière de suivi des dettes ou autre. On n'est pas encore en capacité de le faire suffisamment. Et il y a toute la question de la mobilisation de solutions. Est-ce qu'on doit pas, par exemple, on voit tous ces Airbnb vides, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à une réquisition de certains de ces Airbnb? Enfin, quelles sont les solutions supplémentaires qu'on peut créer pour permettre d'avoir, je dirais, un peu de marge de manœuvre quand les difficultés vont arriver, quoi. Voilà. Madame de Smet. Oui.
Madame la secrétaire d'État, par rapport à une prolongation éventuelle, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que ce n'est pas du tout envisagé, du coup ? Pour l'instant, le moratoire sur les expulsions est prévu jusqu'au 31 août. Il n'est pas prévu qu'on aille au-delà à ce stade. Mais je dois dire quand même que Bruxelles a bien pris ses responsabilités en la matière. On allait quand même beaucoup plus loin que les deux autres régions. Et je ne regrette pas du tout. Je suis vraiment très fière d'ailleurs d'avoir pu obtenir ce moratoire sur les expulsions jusqu'au 31 août. Après, à voir, on ne sait pas comment les choses vont évoluer, si la pandémie va revenir. Enfin, on ne sait pas du tout, en fait, comment les choses vont se passer dans quelques semaines, dans quelques mois, si on devrait revivre une situation similaire à ce qu'on a vécu les semaines précédentes. Il faudra peut-être à nouveau reprendre ses responsabilités et rediscuter de ce moratoire sur les expulsions, à voir. Je n'exclus rien, on ne sait. Oui, on ne sait pas du tout de quoi est fait, mais je vous le dis, en tout cas, nous, Bruxelles, on peut être fiers, en tout cas, d'avoir été beaucoup plus loin que les autres. Ça, je comprends qu'on a été plus loin, mais on est aussi une région avec 60% de locataires, donc, je veux dire, la situation est d'autant plus critique ici encore, donc je pense qu'on doit vraiment se laisser de la marge pour en rediscuter. Je l'entends bien, mais pour l'instant, on va jusqu'au 31 août et pas au-delà. Ok. Voilà. Et pour revenir sur votre option des Airbnb, évidemment que ça fait l'objet d'une analyse au sein de mon cabinet. On en discutait d'ailleurs encore ce matin parce que je leur envoie plein de messages en disant tiens, comme on a pu voir déjà en France aussi, que c'est également à l'étude. Donc évidemment, si on peut trouver des opportunités, qu'on peut reloger ces personnes-là et qu'on peut nous explorer cette piste-là à Bruxelles, évidemment qu'on va le faire, ça c'est certain, certain. L'incident est clos. Nous passons à la question orale de Monsieur Mampaka relative au logement vacant des 6 mis à disposition des personnes victimes de violences intraconjugales. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il semble que des éléments de cette réponse que vous allez me donner ont déjà été donnés la semaine dernière. Mais tout ça c'était un peu à cause du bureau où il y a eu peut-être un mauvais, mise en place organisation. Vous aurez déjà abordé une partie de ces questions la semaine dernière. Dans les cadres de la crise Covid, Madame la Ministre, parce qu'on en parle et on en parlera encore longtemps. Pardon ? Vous n'en avez pas parlé, il me semble que je ne sais pas, vous avez peut-être évoqué, mais c'est pas grave. Monsieur Mampaka, c'est une question orale et nous restons vraiment... Mais je peux parler, Madame la Présidente. Ben oui, vous pouvez, il faut la lire. Vous avez une fascination. Je rappelle juste que... Dès que vous entendez mon son... Non, Monsieur Mampaka... Non, je n'allais pas jouer au calibre avec moi. J'ai commencé la question et je suis dans la question, vous m'interrompez. Mais non, Monsieur Mampaka... Pourtant, Monsieur Riagri me demande d'aller vite. Bon, pas vous. Allons-y. Pas vous. Dans le cadre donc de la crise du Covid-19... Pardon ? Une question orale se lit. Et ce n'est pas Monsieur Mampaka que je pense. C'est l'ancien. C'est ce que je suis en train de faire. Dans le cadre donc, de la crise Covid-19, donc, nous avons constaté, Madame la Ministre, avec enthousiasme pour certains d'entre nous, que certaines CISP avaient initié des actions afin de mettre donc, à disposition donc, des services communaux, donc des logements temporairement inoccupés, permettant ainsi de loger donc, des personnes victimes donc, de violences intraconjugales. Phénomène que l'on a beaucoup observé pendant ce confinement. Cette information a notamment donc été relatée sur le site même de la SLRB, donc qui est un grand opérateur. Dans ce cadre, j'ai souhaité, Madame la Ministre, très brièvement, vous poser les questions suivantes, n'est-ce pas ? Combien d'occupations temporaires de ce type ont été donc effectuées durant la période de confinement ? Quels sont les sites qui ont participé donc à cette action ? Combien de logements vacants ont été... Je vais essayer d'aller doucement, Monsieur Lux. Quels sont les CISP qui ont participé à cette action? Combien de logements vacants ont été occupés temporairement pour chacune d'entre elles, de ces CISP en tout cas? Quel a été le cadre juridique dans lequel ces occupations ont pris cours? Est-ce qu'il s'agit donc des contrats d'occupation précaire ou des contrats temporaires? En effet, Madame la Ministre, nous savons qu'un nombre important de logements du parc public sont vacants pour diverses raisons, notamment les réparations, les tiroirs et consorts, etc. Si l'entrée en vigueur de ce contrat d'occupation précaire et temporaire a donné une impulsion positive afin d'établir donc un accord préalable avec l'occupation, à l'occupation, il s'avère cependant, et selon les constats de la FEBUL, institution très importante, qu'il reste encore énormément de travail à réaliser dans ce secteur pour parvenir donc à une utilisation systématique de ce type de convention pour les logements publics vides. Je souhaite donc en savoir encore un peu plus si des nouvelles pratiques ont été observées
dans ce sens, durant donc la crise du Covid-19, et surtout si vous avez entrepris une action pour généraliser ces pratiques ou sensibiliser nos CISP et la SLRB à cette pratique afin de pouvoir venir en aide à des personnes qui sont dans des cas tels que celui de personnes victimes de violences intraconjugales ou d'autres formes de subsides de violence. Voici, Madame la ministre, le sens de ma question. Je m'excuse, je me suis trompé. Merci, Monsieur Mpaka. La parole est à Madame la ministre pour sa réponse. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Mpaka, dans le cadre du plan de secours, le gouvernement a réservé un hôtel de 25 places pour les personnes victimes de violences intrafamiliales pendant la période de confinement. Nous avons également sollicité la solidarité des CISP afin de réserver des logements en seconde ligne via une désaffectation temporaire, si in fine les places disponibles en hôtel venaient à manquer. Sans hésiter, les CISP qui disposaient par exemple de logements qui ne pouvaient pas être mis en location vu le moratoire sur les déménagements ont répondu favorablement à notre demande. Et parallèlement à cette mesure exceptionnelle du gouvernement, il existe un dispositif légal qui permet à des victimes de violences de se voir attribuer un logement social. Il s'agit, comme vous le savez, de l'article 36 de l'arrêté locatif. Cet article prévoit l'obligation pour toutes les CISP de mettre en œuvre un partenariat avec une ou plusieurs maisons d'accueil. Il implique que chaque CISP conclue une ou plusieurs conventions d'attribution prioritaire de logement, portant 3% au minimum des attributions de l'année précédente, avec des maisons d'accueil agréées, hébergeant des personnes victimes de violences, en rentrant par ailleurs dans les conditions d'admission au logement social. En concertation avec les CISP, il a été décidé que pendant le confinement, les maisons d'accueil ayant une convention avec une CISP puissent recourir en priorité au dispositif article 36. Cette solution permet de stabiliser les victimes et leurs familles dans un logement social via une attribution, au contraire de l'occupation précaire qui n'aurait duré en fait que 3 mois. Si aucune occupation précaire n'a été nécessaire, des attributions article 36, elles ont bien eu lieu. Je joindrai en annexe d'ailleurs le détail par CISP, mais sachez qu'en résumé, dans les CISP concernés, 9 logements article 36 ont été initialement réservés et au final ce sont 15 logements qui ont été attribués, dont 7 entrés en logement à venir, qui sont déjà entrés en fait. Qui ont déjà été attribués. Par ailleurs, dans le cadre du confinement, j'ai mis en place aussi une task force bruxelloise relative aux violences intrafamiliales. Une rencontre entre la Fédération des maisons d'accueil, les fédérations de CISP et la SLRB a eu lieu encore la semaine dernière afin de réfléchir ensemble à des solutions à court et moyen terme pour ce public cible. D'après les premiers chiffres de Bruxelles Prévention et Sécurité, les lignes d'écoute aux victimes de violences intrafamiliales ont enregistré une augmentation de plus de 200% d'appels entre le début et le cœur du confinement. Les demandes d'hébergement sur ces lignes d'écoute ont, elles, augmenté de près de 253%. Et sachez qu'une nouvelle réunion aura lieu demain avec les CISP et la SLRB dans le but d'établir un plan d'action très concret à court et moyen terme afin d'augmenter le nombre de logements attribués aux victimes de violences intrafamiliales. Vous savez que c'est un sujet qui me tient fortement à cœur et j'aurai à cœur demain de défendre l'augmentation de ce nombre de logements. Voilà, je vous remercie. Voilà, la parole est à M. Mpaka pour sa réplique. Je vais faire gagner du temps, Madame la ministre, que réponse précise, et je vous encourage, et on sera attentif à la poursuite, et les chiffres sont au-delà de ce que j'espérais. Voilà. Voilà. La parole reste à M. Mpaka pour sa question relative au comité d'accompagnement chargé du suivi des AIPL. Madame la Présidente, comme M. Aurélie me presse d'avancer, Madame la Secrétaire d'État en 2012. Je me regarde méchamment. La Cour des comptes publiait un rapport cinglant sur le cadre
Tantôt c'est Casier, tantôt c'est Riagli, donc quand c'est pas la présidente qui s'y met. Donc la Cour des comptes publie un rapport cinglant sur le cadre juridique dont des associations œuvrant dans le secteur de l'insertion par le logement, sujet que j'ai découvert à travers la présidente jadis dans la statue précédente, les AIPL donc. En région bruxelloise, donc le rapport mentionnait une série donc de manquements des AIPL au regard donc de leurs obligations administratives, ou pour l'octroi donc le renouvellement de l'agrément, ainsi que pour l'octroi donc de subventions, entre autres donc la transmission de leurs comptes annuels en bonne et due forme. Par ailleurs, la Cour des comptes pointait des manquements du gouvernement envers les AIPL, notamment des délais de retard de paiement pour notifier donc la suspension, l'octroi ou le renouvellement, l'agrément aux associations candidates, n'est-ce pas, dans un délai de maximum 3 mois. Donc, c'est dans ce contexte qu'à l'initiative de votre prédécesseur, Madame Céline Frémaux, que le gouvernement donc avait trouvé bon d'y remédier au dysfonctionnement et révélé par le rapport de la Cour des comptes en adoptant donc le 23 septembre 2016 un arrêté relatif à l'octroi des subsides au bénéfice d'associations œuvrant donc dans l'insertion par le logement auquel je crois beaucoup. Ces dispositions visaient notamment à définir la base légale autorisant l'action des AIPL, donc désormais 8 missions de base et 5 missions spécifiques définissent un cadre légal concret pour les AIPL. Ensuite, elle visait de renforcer les conditions d'agrément dans une logique de bonne gouvernance, notion très à la mode. Désormais, les associations candidates à l'agrément doivent donc satisfaire à quelques conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne leur objet social et la situation de leurs administrateurs. Ces derniers ne peuvent par exemple pas avoir été privés de leurs droits politiques, n'est-ce pas ? Il en va de même pour toutes les personnes pouvant donc engager l'association. Il s'agit aussi de déterminer un délai de décision clair. Il est stipulé que le ministre doit prendre une décision sur la demande d'agrément dans les 3 mois suivant donc la réception du dossier. Donc, il s'agit aussi d'octroyer un subside de base aux AIPL qui dépend du nombre et du type des missions de base qu'elles poursuivent, des résultats obtenus durant les périodes antérieures de subside, ainsi que du nombre et de l'ampleur des projets auxquels elles participent. Donc le subside de base est fixé à un minimum de 15 000 euros, sauf si l'association a été agréée à titre probatoire, n'est-ce pas ? Il s'agit aussi d'offrir une possibilité de recours aux AIPL qui se sont vus refuser un agrément ou qui considèrent que les procédures d'octroi d'agrément et de subsides n'ont pas été respectées par le gouvernement. Créer un comité d'accompagnement chargé du suivi de l'évolution des AIPL, et ce comité peut également remettre des avis au ministre. Il est composé donc des représentants du ministre de la direction du logement, de Bruxelles urbain, des AIPL elles-mêmes. Concernant justement l'évolution, l'institution d'un comité d'accompagnement, c'est l'objet de ma question, du suivi de l'évolution des AIPL, je souhaiterais, Madame la secrétaire d'État, Madame la ministre, obtenir des éclaircissements et des explications sur ces activités. Pouvez-vous me dire si depuis votre entrée en fonction, vous avez rencontré, ou je sais que vous faites beaucoup de boulot en ce moment, vous ou votre cabinet, les membres de ce comité d'accompagnement, dans l'affirmative, à quelle fréquence rencontrez-vous ces gens, n'est-ce pas ? Et quels ont été les points d'attention qui ont été mis en exergue à l'occasion de ces rencontres, si vous les avez faites, ou si votre collaborateur ou vos collaborateurs l'ont fait. Les comités d'accompagnement vous a-t-il d'ores et déjà transmis un avis sur l'évolution des activités des AIPL, dans l'affirmative, le contenu de cet avis pourrait-il être porté à la connaissance donc de membres de cette commission ? Pourriez-vous, Madame la ministre, nous informer sur la composition du comité ainsi que sur son organisation interne et mode de fonctionnement ? Combien de fois se réunit-il, s'est-il réuni depuis votre entrée en fonction ? Va-t-il jouer un rôle déterminant, déterminant pour l'évolution des activités des AIPL qui a motivé la suspension d'octroi d'agrément actuel ? La question vous a été posée. Quel est l'objet précis donc de l'accompagnement effectué auprès des AIPL ? De manière plus générale, Madame la ministre, je souhaiterais savoir si les dysfonctionnements relevés par le rapport de la Cour des comptes en 2012 sont aujourd'hui bien suivis et fortement résorbés grâce au travail réalisé par ce comité, et si vous portez une attention particulière à celle-ci, de sorte que les activités des AIPL puissent être les plus efficaces possibles au regard des objectifs suivis par leur objet social tel que déterminé par l'arrêté du 7 juillet 2016. Enfin, Madame la ministre, est-ce que le gouvernement envisage de corréler l'octroi des subventions des AIPL à des objectifs de résultats, chose qui me préoccupe énormément en termes de nombre de dossiers, par exemple, traités, nombre de dossiers ayant abouti,
une réinsertion réelle par le logement. Ça pourrait être aussi des critères objectifs pour pouvoir juger de ces institutions pour lesquelles je crois beaucoup en l'utilité en matière d'accompagnement dans le secteur du logement social. Merci, Madame la Ministre, pour votre attention. Madame la Présidente, merci. La parole est à Madame la Secrétaire d'État. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Mampaka, je n'ai pas rencontré les membres de ce comité d'accompagnement car il n'a pas été mis en place en fait, sous la précédente législature. Comme j'ai déjà pu le mentionner lors de la précédente commission, face à cette question, vous faisiez allusion quand vous disiez qu'il avait apporté quelques éléments de réponse. C'était cette question. Nous procédons donc actuellement à une évaluation du dispositif et du secteur des AIPL. Et dans ce cadre, ce comité d'accompagnement sera mis en place et se réunira à la rentrée prochaine. Nous avons invité les associations AIPL et l'administration de Bruxelles Logement à présenter les personnes qui siégeront en tant que membres au sein de ce comité. Ce comité se rencontrera, comme le prévoit l'arrêté, au minimum 2 fois par an. Il ne jouera pas de rôle dans l'évaluation proprement dite, qui est réalisée en fait par un prestataire externe au travers d'une procédure de marché public, mais bien dans l'implémentation éventuelle des recommandations identifiées par ce prestataire afin de dépasser les difficultés auxquelles les AIPL sont confrontés. Alors l'objet de ce comité est multiple. Il s'agit d'une part d'accompagner les AIPL vers la réussite de leur objectif, mais également de leur permettre de recentrer en fait leur mission au regard de l'arrêté, ce que soutient notamment l'inspection des finances qui atteste d'une certaine dilution des missions effectuées par les acteurs agréés et de bénéficier d'une évaluation continue. Enfin, c'est également un lieu d'échange entre les secteurs associatifs, administratifs et politiques qui permettra, je l'espère, de dégager des solutions communes aux problèmes sur le terrain. Je me réjouis donc de la mise en place prochaine de ce comité. Voici. Voilà. Monsieur Mampaka, une réplique. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je comprends largement que vous n'ayez pas eu le temps de pouvoir voir quand on prend des fonctions comme ça. Il y a énormément, déjà le tour des 17 communes. Je n'ai pas voulu intervenir à la question précédente, mais je taquinais mon collègue Ouyagli parce que je sais que les freins faits par la commune, ce n'est pas une chose facile. Donc, je comprends largement que vous n'ayez pas eu le temps de le faire et que vous allez probablement le faire. Oui, M. Ouyagli n'a plus de terrain. Comment ? J'espère que M. Lux convaincra ses bourgmestres d'exercer les déroutes thermales pour qu'on construise des logements chez eux. Voilà ce que je voulais dire. Ça me brûle la langue depuis longtemps. 18%? Non, dit. C'était Excel qui posait problème. Bon, avec l'ancien ministre. Madame la ministre, merci pour votre. Madame la présidente. Ouais. Bon, Martin revient. Je poursuis, Madame la ministre. Madame la présidente. Bien sûr, vous avez encore 1:26. Voilà. Mon Dieu. Ouf. Donc voilà, au sujet des surfaces commerciales, Madame la Présidente, Madame la Ministre, donc les 16 sites fusionnés en Jean-Vaux-sur-Loise mettent en location des surfaces commerciales et des bureaux occupés par tout type de locataires. Hein, ça va de l'Aïsbel à tout ce que vous connaissez, supermarché, super Dalaise et consorts, des professions libérales ou des chaînes de supermarchés, comme je disais, en passant par des salons de coiffure, des salons de beauté, des nightshops, des masseuses, tout ce que vous voulez, des lavoirs automatiques. Donc voilà, c'est mon premier paragraphe, je ne suis pas sorti. Au même titre que les antennes relais installées par les opérateurs téléphoniques sur le toit des CISP, la location de ces surfaces commerciales représente donc une source de revenus non négligeable pour les CISP et ces contrats de location doivent donc être gérés en bon père des familles et de manière tout à fait transparente et uniforme dans les 16 CISP, c'est un des objectifs poursuivis par la fusion de CISP. Ceci dans l'esprit de la fusion qui a été donc opérée compte tenu donc des difficultés pour certaines CISP de maintenir pouvoir leur équilibre financier sans l'allocation régionale de solidarité. Ceci ne remet aucunement en cause, Madame la Ministre, l'objet premier donc de la politique de logement social ou de logement public, tout simplement, qui est celui de garantir à tous les citoyens un logement abordable et de qualité. Madame la Secrétaire d'État, pourriez-vous nous faire un petit état des lieux, n'est-ce pas? Là, le sujet est plus vaste que ça, de la situation de surface commerciale et des bureaux mis en location par les CISP par ces jours et ceux
En répondant éventuellement à des questions suivantes. Quel est le nombre de surfaces commerciales et des bureaux actuellement donc mis en location par les 16 CISP qui sont passés de 33 à 16, n'est-ce pas? Quel est le montant total des revenus locatifs de ces surfaces pour l'ensemble de nos 16 CISP? Enfin, est-ce que la fixation du montant de loyer bénéficie-t-elle aussi donc d'un cadre légal où les 16 CISP jouissent-elles d'une totale indépendance et autonomie dans la fixation de ce prix de ce loyer, des prix de ces loyers? Est-ce que les prix des loyers suivent ceux du marché privé de la commune ou du quartier dans lequel sont situées donc ces surfaces commerciales, ou, etc., etc. Et enfin, dans une logique de bonne gouvernance, toujours un esprit de gestion en bon pour des familles, Madame la Secrétaire d'État, il est primordial que la mise en location donc de ces surfaces soit encadrée légalement afin de s'assurer, d'une part, que ces revenus locatifs puissent contribuer à financer les frais de fonctionnement de nos CISP, les investissements et les rénovations qui sont nécessaires de ce CISP, d'autre part, mais surtout à assurer une transparence et une bonne gouvernance dans l'attribution de surfaces commerciales et des bureaux aux entreprises indépendantes qui les exploitent. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, car je pense que c'est une source de revenus. Merci, Madame la Présidente. J'ai dépassé? Non. Monsieur Mampaka, quand je parlais d'une minute 26, c'était pour votre réplique, mais bon, vous êtes passé directement à la question, donc c'est fait. Vous m'avez tellement stressé, Madame la Ministre, la Présidente. Et surtout que je pense à nos traducteurs, quoi. Oui. Du coup, mais bon, voilà. Monsieur Lux, je vous l'avez fait en un temps record. Merci, monsieur Mampaka. La parole est à madame la secrétaire d'État pour ses réponses. Merci, madame la présidente. Monsieur Mampaka, concernant le nombre de surfaces commerciales et de bureaux actuellement mis en location par les 16 CISP de la région, je vous joindrai le tableau en annexe à ma réponse avec le détail des CISP par CISP. Sachez en tout cas que les CISP possèdent au total 244 magasins. Et les tableaux, à mon avis, sont déjà envoyés. En ce qui concerne le montant total du revenu locatif de ces surfaces commerciales pour l'ensemble des 16 CISP, le compte 7002, loyers, magasins et autres, permet d'estimer les loyers perçus par les CISP pour les loyers des immeubles ou parties d'immeubles affectés à un usage commercial. Un deuxième tableau en annexe vous renseignera sur les montants perçus par chaque CISP au cours de l'exercice 2018, soit les dernières données financières disponibles. Veuillez noter toutefois que le plan comptable ne permet pas de distinguer les loyers de base des bureaux de CISP, car ceux-ci sont inclus dans le compte 7000, loyers de base logements sociaux. En ce qui concerne le cadre légal d'attribution des espaces commerciaux, il faut se référer à l'arrêté locatif du 26 septembre 1996, applicable à la location d'habitations gérée par la SLRB et les CISP. Son article 1er prévoit que cet arrêté n'est pas applicable à la location d'immeubles ou de parties d'immeubles affectées, soit à un usage commercial, soit à un service public, soit au logement, considéré comme logement de fonction. Donc il n'est pas applicable non plus à la location de garage. Dès lors, les CISP disposent d'une parfaite autonomie dans l'attribution et la fixation des loyers des surfaces commerciales. Il est important de préciser que certaines de ces surfaces sont mises à disposition par les CISP à des associations et qu'elles ne perçoivent donc pas de loyer pour certains de ces espaces. La SLRB m'informe par ailleurs que dans la pratique, les CISP éprouvent des difficultés à mettre en location leurs surfaces commerciales, qui restent donc en fait parfois vides. Cela étant dit, le nouveau plan comptable permettra de chiffrer précisément les pertes de loyer des commerces inoccupés. Ces données seront disponibles pour le dernier trimestre 2020. Enfin, pour en venir à votre dernière question, il est difficile de faire une comparaison entre la réalité commerciale privée des quartiers avoisinants et la location de surfaces de bureaux et de commerces par les CISP, et cela en fait pour deux raisons. D'abord parce que les données liées au montant des loyers de bureaux sont difficiles à extraire des données en possession de la SLRB, et ensuite parce que certains des espaces commerciaux sont mis à disposition d'ASBL et n'ont pas de vocation commerciale dans leur usage. Je vous remercie. La parole est à M. Mampaka, qui a droit à 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je vois que vous arrivez à me déstresser, donc je vais y aller, j'ai 2 minutes. Madame la Ministre, le sujet, j'ai vraiment besoin de votre attention. Le sujet, moi, il me préoccupe énormément parce que j'ai précédé mon collègue Ouriabi à la ville de Bruxelles, à la région foncière, où nous nous sommes spécialisés à la ville de pouvoir aller chercher l'argent, où on peut le chercher pour pouvoir faire du social convenablement.
Je reviendrai sur ce sujet parce que je trouve que le patrimoine loué qui n'est pas voué à faire du social dans les CISP doit être exploité avec la plus grande efficience. Donc la question peut même se poser à un moment donné de voir si ça vaut la peine que nous puissions louer des parkings. Est-ce que notre job c'est de louer des parkings en tant que CISP ou c'est de loger les gens tout simplement? Et qu'on ne pourrait pas. Je vais toucher un tabou. Hein. Est-ce qu'on ne ferait pas un contrat avec Serviparc, mon ami Royagli connaît très bien la ville de Bruxelles, vous-même aussi, n'est-ce pas, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on ne les donnerait pas un gestionnaire de parking, tout simplement, et qu'on fasse payer cher et vilain pour diminuer l'allocation régionale de loyer? Ça paraît tabou, mais c'est vraiment une folie comme ça. Je me dis, pourquoi pas, n'est-ce pas? Tous les CISP ne sont pas mal situés. Vous savez, par exemple, qu'il y a des CISP qui ont des logements sur l'avenue Louise, par exemple, où les affectations peuvent être purement commerciales afin de réduire tout simplement les déficits de certains de nos CISP sur lesquels, sans l'allocation régionale de solidarité, les équilibres financiers sont exclus. Donc, je sais que vous avez un travail colossal, n'est-ce pas? Mais si vous avez un collaborateur qui se tourne le pouce dans votre cabinet, ce que je ne crois pas, mettez-le sur le sujet, vous verrez que vous allez aller chercher 10 petits millions quelque part, n'est-ce pas, hein, et que vous sortirez avec un diplôme de la meilleure gestionnaire des murs publics. Voilà. Non, ouais, ça va. Non, on aime beaucoup quand même M. Mampaka. C'est pas M. Uriagli. Juste pour rappeler peut-être une chose, on est au Parlement bruxellois et pas au Conseil communal de la ville. Donc, c'est juste un petit rappel. Juste un petit rappel, mais bon, soit. Mais voilà, bah, la preuve qu'on aime beaucoup M. Mampaka. Donc, voilà, je vous laisse encore la parole pour une autre question relative aux revenus générés par le placement d'antennes relais des opérateurs téléphoniques sur les bâtiments du CISP. Merci, Madame la Ministre. On n'attend plus à la ville de Bruxelles que Françoise Desmet et Pierre-Luc et Martin Cazier pour être complet. Un jour, vous aurez la moitié du Parlement qui sera bruxellois. Je le promets. Madame la Ministre. Donc, c'était un peu dans le même sens. Les revenus générés par les placements donc des antennes relais et des opérateurs téléphoniques sur les bâtiments de CISP. Ah, c'est une source de revenus importante, surtout au moment où on va parler de la 5G. Au moment où le déploiement de la 5G fait l'objet donc de nombreuses controverses, voilà un sujet qui intéresse les écolos et divise l'opinion sur les Belges et Bruxellois, nécessitant, comme mon groupe le propose, la mise en avant donc de 3 balises, la précaution, la transparence et la participation, il me semble opportun, Madame la Ministre, de faire le point sur la gestion des antennes relais placées donc sur les sites des logements sociaux, parce que nous avons parfois des bâtiments hyper bien situés, et on ne peut pas faire autrement. Depuis 2007, une ordonnance de la région Bruxelles Capitale donc encadre donc de manière plus stricte l'installation des antennes GSM, malgré tous les problèmes que ça peut poser en termes de précaution, tout ça. Désormais, chaque opérateur doit disposer d'un permis d'environnement délivré par Bruxelles Environnement après un avis d'enquête publique réalisé par la commune, garantissant ainsi donc la protection et la santé, la qualité de nos allocataires sociaux. Je souhaiterais donc savoir s'il existe une gestion dite, comme je disais tout à l'heure, toujours en bon père de famille, uniformisée de ces contrats régissant donc l'installation de ces antennes sur le toit donc des immeubles gérés par nos sociétés publiques. Et à cet égard, mes questions sont les suivantes. Combien, excusez-moi si je demande des chiffres, c'est pour chaque fois avoir un peu l'idée de l'ampleur de la situation, combien d'antennes relais sont à ce jour placées donc sur le toit de nos 16 CISP fusionnés, n'est-ce pas? Pouvez-vous me confirmer que ces antennes relais disposent toutes d'un permis d'environnement en bonne et due forme et ont bien fait l'objet donc d'une enquête publique auprès des locataires, comme prévoit donc l'ordonnance précitée, et les locataires ne se sont pas vus flanquer une antenne au-dessus de leur lit, n'est-ce pas? Existe-t-il un cadre légal fixant les conditions d'attribution d'un espace dédié à l'installation donc d'une antenne relais sur le toit d'un immeuble du parc immobilier de nos CISP, tel qu'un marché public ou une circulaire interne à la SLRB, quelque chose dans ce sens-là? Pourriez-vous nous indiquer le montant de revenus annuels générés par les contrats régissant l'installation de ces antennes? Le prix fixé dans le cadre de ce contrat sont-ils bien conformes au prix du marché? Je sais que dans la réponse précédente, je m'avais
parler du plan comptable qui doit être modifié. Je pense que je crains fort d'ailleurs que ce soit aussi le cas pour cette question. Sur ce dernier point, nous savons que pour nombre de copropriétaires, n'est-ce pas, copropriétés du marché immobilier privé, les revenus générés par la mise en location des espaces dédiés donc à l'installation d'une ou de plusieurs antennes servent à améliorer la qualité du logement. Il devrait être de même pour nos sociétés publiques. C'est pourquoi je souhaite m'assurer que le contrat ne néglige pas cet aspect et que les prix exigés par les opérateurs téléphoniques mobiles sont justes et similaires à ceux qu'ils payent aux particuliers dans des immeubles privés, qui plus est dans un contexte où l'allocation régionale de solidarité, je le disais tout à l'heure, est mise sous pression. Certains d'entre nous craignent que vous n'ayez pas le moyen de pouvoir la garder longtemps pendant votre législature, compte tenu du manque accru donc des logements sociaux, du besoin de mise aux normes donc à rénovation de logements, du parc immobilier public et des prévisions démographiques qui sont affolantes pour les années à venir. Nous sommes déjà à 1 245 000 habitants, c'est ce que prévoyait le plan, et le plan prévoit à 1 300 000 dans quelques mois. Donc la pression sur le logement va continuer. Voilà, Madame la Ministre, l'ensemble de ma question. Donc, j'ai peut-être fait quelques petits commentaires, mais sans sortir de sujet. Voilà, la parole est à Madame la Ministre pour ses réponses. Merci, Madame la Présidente. Juste au niveau des questions qui m'avaient été posées, la troisième que vous aviez posé, monsieur. Elle était supprimée par le bureau, je crois. Supprimée par le bureau. Oui, oui, excusez-moi, j'ai oublié. Pas d'accord, c'est vrai. Je suis membre du bureau aujourd'hui. Il faut toujours se tenir aux questions prévues. Donc, je joindrai. Je m'en excuse, madame la présidente, la question était supprimée au bureau. Donc, ça la fatigue. Parfait, merci pour votre compréhension. Donc, je vous remercie pour votre question. Alors, je joindrai un tableau précisant le nombre d'antennes, relais placés sur les toits de certains bâtiments des CISP, avec les données que la SLRB a pu récolter. Tout se trouve sur ce tableau. Vous y trouverez également les revenus annuels générés par ces contrats de placement d'antennes. Ces revenus semblent être dans la moyenne du marché ou légèrement en dessous. Toutes les antennes disposent des autorisations nécessaires, en ce compris les permis d'environnement. Et enfin, l'obligation de l'enquête publique n'est entrée en vigueur qu'avec l'ordonnance de 2007, que vous avez évoquée. Et les antennes placées avant cette date n'étaient donc pas soumises en fait aux mêmes obligations que celles à partir de 2007. Voici pour mes réponses. Voilà, la parole est à M. Bertin Mampaka pour sa réplique. Merci, Madame la Présidente. Donc, en effet, je dirais avec beaucoup d'attention les chiffres qui sont donnés par la CLRB. Et je pose la question pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire que mon copain Ouyagli et mon successeur à la ville m'inspirent beaucoup. Je sais que les écolos dans l'opposition à l'époque avaient beaucoup, beaucoup chialé quand M. Ouyagli a mis la pub Coca-Cola sur son bureau. Je suis payé. Oui, mais je reviendrai avec une autre question pour les pubs. N'est-ce pas? Merci, Madame la Présidente. Les pubs. Pour les pubs. Merci, Monsieur Mampaka. Toyota et autres. Nous passons à la question orale de Monsieur Lux relative à la place de la transition énergétique dans la production d'énergie renouvelable dans les politiques d'investissement et de gestion du bâti de la CLRB et des CIS en région bruxelloise. Merci, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État. À l'heure où notre société fait face à une urgence climatique sans précédent, votre gouvernement s'est positionné en faveur d'un engagement très fort pour le climat dans son accord de majorité. Ainsi, la déclaration de politique régionale précise que le gouvernement entend répondre de façon ambitieuse aux objectifs européens et aux engagements pris lors de l'accord de Paris en portant une politique climatique juste et proactive. Il développera à cet effet une approche systémique, structurelle et structurante. L'ensemble des leviers régionaux seront mobilisés pour établir une nouvelle gouvernance climatique et faire de ces enjeux et ceux liés à la biodiversité un traceur des décisions régionales. Alors, cette politique climatique ambitieuse, elle doit indéniablement passer par une importante réduction des émissions directes et, pour atteindre les objectifs en la matière, une réelle transition énergétique est nécessaire. Celle-ci doit être portée par l'ensemble des composantes de notre société et les pouvoirs publics doivent évidemment et indéniablement être exemplaires en la matière. Alors, en termes de transition énergétique, il y a évidemment la nécessité de rénover,
de manière durable le bâti, afin de permettre notamment, par une isolation adéquate ou une utilisation rationnelle de l'énergie, de réduire les consommations d'émissions, d'énergie et donc également d'émissions. Mais à côté de la rénovation, la production d'énergie renouvelable, et notamment d'énergie électrique par des panneaux photovoltaïques, constitue une voie intéressante, pertinente et nécessaire pour réduire l'utilisation d'électricité produite encore majoritairement par des énergies fossiles. Et le photovoltaïque est, selon Bruxelles Environnement, la technologie qui présente le plus haut potentiel de production d'énergie verte dans notre région. Et ce potentiel est d'ailleurs démontré par l'outil carte solaire qui présente pour l'ensemble du bâti bruxellois le potentiel solaire de chaque toiture. Alors parce que le bâti et particulièrement le logement doivent être au cœur de la transition énergétique et parce que les pouvoirs publics doivent se montrer exemplaires en la matière, les opérateurs publics du logement, dont évidemment la SLRB et les CISP, doivent incontestablement jouer un rôle dans la lutte contre l'urgence climatique. Je souhaite à ce sujet vous poser les questions suivantes. Quelle est la place de la transition énergétique dans les politiques et stratégies d'investissement et de gestion du bâti au sein de la SLRB et au sein des CISP? Quelle place pour la production d'énergie renouvelable dans cette politique de transition énergétique? Ma deuxième question est de savoir ce qui aujourd'hui est concrètement mis en œuvre à ces égards. Est-ce que vous pouvez nous présenter les mesures qui sont prises, tant au niveau organisationnel au sein de la SLRB et des CISP? Je pense par exemple à du personnel dédié, tel que des facilitateurs, des gestionnaires énergie, la mise en place de comptabilité énergétique, l'existence de cahiers de charges type, de contrats cadres, qu'en est-il des programmes plages notamment, mais aussi au-delà de ces aspects organisationnels, en termes de budget et de modèles de financement spécifiquement dédiés à ces enjeux. Ma troisième question est une prolongation de cette deuxième question très concrète, c'est qu'est-il prévu dans un avenir très proche par rapport à cet enjeu-là? Et enfin, ma quatrième question est de savoir s'il y a déjà des freins éventuels qui auraient pu être rencontrés par la SLRB ou les CISP dans la mise en œuvre d'une stratégie de transition énergétique. Je vous remercie pour vos réponses. La parole est à Madame la ministre pour sa réponse. Ah, pardon, excusez-moi. Sorry. J'ai failli oublier Monsieur Verstraat pour sa question. Geen probleem, mevrouw de voorzitter. Het is nog net op tijd toegekomen. Ja, het gaat over hetzelfde onderwerp natuurlijk, mevrouw de staatssecretaris. Het is inderdaad juist dat de regering zich in haar regeerakkoord heeft verbonden, geëngageerd om zowel op vlak van de klimaatuitdaging als op vlak van de meer groene ecologische uitdaging in het energiebeleid, om die twee met elkaar te verbinden en daar vol op te investeren, op in te zetten. Met haar klimaatplan bevestigt de regering bovendien haar ambitie om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. De huisvestingssector heeft daar ontegensprekelijk een belangrijke plaats in. Ter herinnering, ik denk dat het in uw klimaatplan van de regering is vastgesteld dat 44% van de uitstoot, CO2-uitstoot in Brussel, is gelinkt aan huisvesting. Dus er is wel degelijk, en dat is dan de belangrijkste bron op dat vlak van vervuiling, dus er is wel degelijk werk aan de winkel op dat vlak. De BGHM en de OVM's hebben met hun patrimonium een belangrijk aandeel van het huisvestingspatrimonium in handen. Hun rol in het verbeteren van het energieverbruik en het produceren van hernieuwbare energie is dan ook niet te onderschatten. Met betrekking tot de productie van hernieuwbare energie bepaalt het politiek akkoord van 4 december 2015 aangaande burden sharing dat het Brussels gewest tegen 2020 849 gigawatt aan hernieuwbare energie moet produceren. Dus 2020, dat is dit jaar. De BGHM kreeg in dat kader 10 miljoen euro toegewezen van het gewest voor de plaatsing van zonnepanelen op het patrimonium van de openbare vastgoedmaatschappijen. Niet alleen zorgt dit voor een lagere energierekening voor de huurders, het draagt bovendien bij natuurlijk tot een algemene ecologische transitie. Wat betreft het energieverbruik van het sociale woningbestand bepaalt het huisvestingshoofdstuk van het Brusselse regeerakkoord dat aansluitend op de doelstellingen, dat is een citaat, van aansluitend op bij de doelstellingen van de strategie voor de renovatie van de bestaande gebouwen, de regering een aanvullend 4-jaren plan zal uitwerken om het energieverbruik en de lasten die de huurders van sociale woningen worden aangerekend te verminderen. Einde citaat. Mijn vragen daarover, mevrouw de staatssecretaris, kunt u een stand van zaken geven van de investeringsprojecten die de BGHM tot op vandaag heeft uitgevoerd, met die enveloppe van 10 miljoen euro die haar werd toegewezen voor de plaatsing van zonnepanelen op het patrimonium van de OVM's? In de begroting staat hiervoor 2020
5,5 miljoen euro ingeschreven en in de vorige begroting aangepast voor 2019 stond er 4,5 miljoen ingeschreven. Over welke projecten gaat het nu concreet? Over welk aandeel van het woningenbestand van de OVM's gaat het concreet? Hoeveel zonnepanelen zijn er vandaag al geïnstalleerd en hoeveel staan er in totaal geprogrammeerd? Tegen wanneer is de volledige uitvoering voorzien? Met andere woorden, halen we die datum, die deadline van 2020? Wat is de grote orde van de energiebesparingen die dankzij deze budgetten gerealiseerd zullen worden? En welke financiële besparing leveren ze gemiddeld op, bij benadering natuurlijk, voor één huishouden? Ik denk dat dat ook belangrijk is om dat tastbaar te maken, wat de sociale positieve impact is van dit soort maatregelen. Zal u hiermee de doelstelling van 7 megawatt bereiken, die bij de instelling van dit investeringsbudget werd vooropgesteld? Welke andere budgetten stelt u voorop wanneer dit investeringsbudget van 10 miljoen euro voor het eind van dit jaar is opgebruikt? Met andere woorden, stopt het hier of komt er nog meer aan? Welke andere initiatieven neemt de BGHM om de productie van hernieuwbare energie binnen het patrimonium van sociale woningen mogelijk te maken? Is daar een specifiek budget voor voorzien? En tenslotte de laatste vraag, hoe ver staat u met het aanvullend vierjarenplan dat voorzien was in het regeerakkoord om het energieverbruik en de lasten voor huurders van sociale woningen te verminderen? Bedankt alvast, mevrouw de staatssecretaris, voor uw antwoorden. La parole est à madame la ministre pour sa réponse. Merci madame la présidente. Monsieur Lux et monsieur Verstraat, le gouvernement s'est collectivement engagé à inscrire sa politique dans l'indispensable transition vers une société plus respectueuse de la planète et de ses limites. En tant qu'opérateur du logement dans notre région, la SLRB et les CISP sont pleinement conscientes de leurs responsabilités environnementales. Les critères de durabilité sont désormais intégrés à chaque étape du développement et de la gestion des projets de logement. Dès en fait la conception du projet, le modèle de cahier spécial des charges utilisé par la CISP et la SLRB intègre un volet durabilité qui se décline en 9 thématiques calquées sur le référentiel quartier durable de Bruxelles environnement. Intégrer ces critères en amont offre en effet beaucoup d'avantages. Cela limite les coûts et garantit le concours d'une équipe d'auteurs de projets compétentes pour les aspects de durabilité souhaités. Et en fait, ça permet aussi une intégration harmonieuse au projet. En ce qui concerne les constructions, la SLRB a ouvert la voie en anticipant le recours aux standards passifs avant qu'ils soient rendus obligatoires à partir de 2015. Ce rôle de pionnier a imposé la recherche constante d'un équilibre délicat entre la maîtrise des coûts de production et l'utilisation des technologies innovantes. Alors, parmi les 27 projets déjà réceptionnés du plan régional du logement et de l'Alliance Habitat, 9 d'entre eux répondent aux standards passifs. Tous les autres respectent bien évidemment la législation sur la performance énergétique en vigueur. Au niveau des rénovations, les CES CISP doivent appliquer le cahier spécial type de désignation des auteurs de projets pour bénéficier des aides régionales à la rénovation des logements sociaux. Ce document impose des exigences en matière de performance énergétique. Les projets demandent un permis d'urbanisme impliquent toujours le respect des normes du PEB. Et pour les autres rénovations plus légères, la SLRB demande d'aller au-delà des obligations légales. Pour les 2 derniers grands programmes de rénovation de logements sociaux qui s'étalent sur la période 2014-2021, le bilan chiffré est le suivant. Pour le programme quadriennal 2014-2017, 2461 logements sont concernés par les projets de rénovation visant le standard basse énergie. Ceci représentera au terme de ces chantiers un gain d'environ 60% en matière de consommation de chauffage pour les ménages. En termes financiers, cela représente 1 million d'euros d'économie globale. Sur le plan environnemental, cela permettra de réduire les émissions de CO2 à hauteur de près de 4300 tonnes par an. Pour le programme quadriennal 2018-2021, les projets de rénovation lourde concernent 2126 logements pour un gain de 67% en matière de chauffage pour les ménages. La réduction estimée des émissions de CO2 atteint 4893 tonnes par an.
afin d'orienter les travaux de rénovation et d'en mesurer les résultats, la cellule cadastre et d'énergie de la SLRB établit la certification énergétique de l'ensemble des logements du secteur. Et à ce jour, près de 11 000 logements ont été certifiés. T'as vu, il n'y a pas que toi qui es fatigué, Bertin, en fait. La SLRB a également intégré dans son cadastre technique un module de comptabilité énergétique. Ce dernier permet aux responsables énergie des CISP d'établir un état des lieux des niveaux de performance des installations collectives de chauffage et de définir ainsi les priorités d'action sur les bâtiments les moins performants. L'outil permet également de suivre mensuellement les consommations d'énergie des installations de chauffage afin de s'assurer de l'efficacité des mesures mises en œuvre. Ces outils font partie intégrante du programme Plage, mis en place sur une base volontaire au sein des CISP. L'objectif est de réduire les consommations des bâtiments les plus énergivores et d'inciter en fait chaque CISP à avoir un responsable énergie. On dénombre actuellement un total de 13 CISP, hein, sur les 16, qui participent à ce projet. Les experts du programme Plage estiment que les interventions sur les chaufferies prioritaires collectives du secteur permettent de faire 15% d'économie. Et la volonté du gouvernement s'inscrit dans la DPR et de travailler dans le futur encore plus vers une amélioration de la performance énergétique du bâtiment pour le patrimoine des 16 CISP avec le double objectif de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et de réduire les charges locatives des locataires. Dans le cadre des discussions budgétaires compliquées qui s'annoncent, étant donné la crise sanitaire et les dépenses non prévues qui ont dû être consenties, je m'efforcerai de solliciter une enveloppe destinée à rénover ce patrimoine en visant notamment l'amélioration du PEB. C'est d'ailleurs l'objet de 50 millions d'euros qui figurent déjà au budget initial 2020 pour initier les études et des petits travaux dans ce cadre. Menir Vererstraat. Ik zal het nu hebben over de 10 miljoen euro over het klimaatfonds die aan de BGAM werden toegekend in de vorm van een lening voor de installatie van de zonnepanelen. Deze grote investering vereist veel voorbereidend werk op het administratief, juridisch en technisch vlak. Er werd tussen de BGAM en alle OVMS een overeenkomst opgesteld. Dit document legt de basis vast voor de eigendomsoverdracht van de nieuwe zonnepanelen aan de OVMS en bepaalt ook de regels inzake de doorverkoop van de groene stroomcertificaten. Momenteel heeft de BGAM 181 gebouwen van het sociaal patrimonium geselecteerd die geschikt zijn voor de plaatsing van deze zonnepanelen. Dit komt overeen met in totaal 462 zonnepaneelinstallaties, wat neerkomt op een piekvermogen van ongeveer 2,1 megawatt piek. De totale envelop zou 5 megawatt piek moeten opleveren. Volgens de cijfers van de BGAM zou dit een besparing op de gemeenschappelijke lasten kunnen opleveren van 160 euro per woning per jaar. Mijn kabinet overlegt met het kabinet van de minister van Energie om de modaliteiten te onderzoeken voor de aanstelling van het bedrijf dat instaat voor het beheer van de werken. De duur van de werken wordt geraamd op 3 jaar. En om af te sluiten en om de betrokkenheid van de BGAM en de OVMS te verduidelijken, wil ik benadrukken dat er 14 bouw- en renovatieprojecten voor in totaal 733 woningen werden geselecteerd als laureaat van de projectoproep Voorbeeld Gebouwen van Urban. Ik dank u voor uw aandacht. Voilà, merci madame la ministre. La parole est à monsieur Lux pour sa réplique. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Secrétaire d'État pour ces précisions. Il y a urgence climatique, je pense qu'on est tous d'accord sur ce constat-là. Les pouvoirs publics doivent pouvoir s'engager très très fortement dans la lutte contre le dérèglement climatique et comme j'ai dit, la déclaration de politique régionale va bien dans ce sens-là. Je suis content d'entendre effectivement ce rôle pionnier qui a été pris par la SLRB en matière de mise en œuvre de standards basse énergie, voire passifs dans la production de nouveaux logements et des standards élevés d'un point de vue énergétique et environnementaux pour les rénovations. Je ne peux que vous inviter
à renforcer cette dimension pionnière et en tout cas cet engagement en faveur du climat dans les politiques qu'on maîtrise et que vous maîtrisez au niveau de la SLRB et des CISP, de renforcer cette posture pionnière, d'augmenter les standards et ou le nombre de logements qui répondent effectivement à ces standards-là. C'est, vous l'avez dit, une mesure de renforcement de la justice sociale et environnementale et climatique, puisque à la fois on joue sur l'environnement et à la fois on joue sur les consommations et donc en réalité sur les dépenses au sein de ces logements-là. Et alors, et c'est une parenthèse, mais c'est néanmoins particulièrement important, c'est un enjeu fort dans une politique de relance et de redéploiement que de stimuler des chantiers de ce type-là. Et donc je ne peux que vous inviter à avancer le plus fortement là-dedans, en diffusant les bonnes pratiques qui ont lieu dans les différentes CISP. Certaines sont peut-être plus avancées que d'autres, et donc de pouvoir effectivement renforcer les collaborations pour permettre à chacune d'aller le plus loin possible, d'aller voir ce qui se passe ailleurs en Belgique, d'aller voir ce qui se passe ailleurs en Europe, et je trouve que ce qu'a pu amener mon collègue à ce sujet a du sens. Et alors, effectivement mettre en œuvre ce projet panneau photovoltaïque, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, mais de pouvoir le faire aboutir, notamment dans le cadre des concertations entre votre cabinet et celui du ministre de l'Énergie, pour qu'effectivement toutes les énergies, pour le coup, soient orientées dans le même objectif et que des projets innovants puissent voir le jour dans les projets de logements publics en région bruxelloise. Et nous serons, en tout cas moi, mais je ne doute pas que mon collègue le sera aussi, vos partenaires au sein de ce Parlement pour pousser le plus loin possible dans cette direction-là. Je vous remercie. Voilà. Merci, M. Lux. La parole est à M. Verstraat pour sa réplique. Merci, M. de voorzitter, en bedankt, M. de staatssecretaris, pour uw antwoord. Ik moet eerlijk bekennen dat ik een beetje verrast ben dat het zo lang gaat duren. Hè. Dus u hebt gezegd, eigenlijk iets dat begroot was in 2019 en 2020, zal pas uitgevoerd zijn, het zal volledig uitgevoerd zijn over 3 jaar, heb ik begrepen. En dat is toch lang om zonnepanelen te installeren, had ik gehoopt op een kortere timing. Ik begrijp niet goed waarom het zo lang moet duren, wat het zo ingewikkeld maakt. Ik begrijp in elk geval wel daaruit dat er nog niet zal zijn in 2020, dat er op dit moment nog geen zonnepaneel worden geïnstalleerd. En ook dat er geen 7, maar 5 megawatt piek zal gerealiseerd worden. Dus ja, de vraag die ik misschien nog heb is, zijn er geen manieren om het sneller te doen vooruitgaan? Allee, ik zie natuurlijk de situatie als particulier. Als ik zeg van ik wil graag zonnepanelen, ik wijs dat toe aan iemand, dan gebeurt dat in de weken die daarop volgen. Ik begrijp dat het bij de overheid langer duurt, maar 3 jaar lijkt toch zeer lang. En dat is al een jaar nadat dat de begroting is goedgekeurd. Dus ik weet niet of dat u daar sporen ziet om dat eventueel te versnellen. Bedankt alvast om dat op te helderen. Pas de réplique, madame la ministre. Ik vind het ook een beetje zeer frustrerend, hè, als politiek, als het niet vlugger kan gaan. Ik ben helemaal akkoord met u. Maar zoals ik zei in mijn antwoord, deze grote investering dient veel voorbereidend werk op technisch vlak, op administratief vlak en juridisch vlak. Dus vlug is het mogelijk misschien, maar om iets kwaliteit en echt goed voor te leggen, hebben we een beetje meer tijd nodig. Ja. Om zeker te zijn dat het project wel effectief gaat lukken. Ja. Misschien kan het een idee zijn om... In dernière réplique. Ja, dus dat, dank u. Misschien kan het een idee zijn om de verschillende vastgoedmaatschappijen zelf de dingen te laten beheren, eerder dan het allemaal gecentraliseerd te moeten doen. Want dan is er inderdaad altijd zware procedures, studies enzovoort, terwijl dat zonnepanelen in principe, dacht ik, niet zo ingewikkeld zijn. Maar bon, in elk geval hoop ik dat het u lukt om toch nog een oplossing te vinden om sneller te kunnen gaan. En inderdaad steunen wij u voluit in de realisatie natuurlijk. Voilà. L'incident est clos. Et nous passons à notre dernière question. Nous en avons 2 jointes. Et nous commençons par celle de M. Uriagli relative à l'allocation loyer pour les candidats locataires inscrits sur les listes du logement social.
Merci, Madame la Présidente, Madame la Secrétaire d'État. Depuis le 1er mars 2014, les candidats locataires inscrits sur les listes du logement social qui ont 12 titres de priorité et ne disposent pas de revenus supérieurs aux revenus d'intégration sociale sont éligibles à l'allocation loyer pour candidats locataires inscrits sur les listes du logement social. Le site web de Bruxelles Logement explique clairement comment se déroule la procédure. Le nombre de candidats locataires avec 12 titres de priorité ou plus et un revenu en dessous du revenu d'intégration sociale est de 10 380 en date du 11 mars 2020. Et je me rends compte que c'est le jour ou la veille du confinement. Ça. Concernant le nombre de ces candidats locataires qui reçoivent actuellement une allocation loyer pour candidats locataires inscrits sur les listes du logement social, il est actuellement de 338. Pour l'année 2019, 1269 dossiers ont été transmis à Bruxelles Logement par les CISP pour initier le dossier d'allocation loyer et envoyer aux candidats locataires pour compléter leur demande contre en 2013 et en 2018. 798 dossiers ont été renvoyés à Bruxelles Logement par les candidats locataires contre 1188 en 2018 et 498 dossiers ont été rejetés, pas dans les conditions, ou clôturés, car incomplètes, en 2019 contre 921 dossiers en 2018. Seulement 197 dossiers ont été acceptés, donc financés, contre 144 dossiers en 2018. Il s'avère que 58% des demandes introduites par les candidats locataires en 2019 étaient incomplètes. C'est un chiffre trop élevé. Pourquoi ? En raison certainement de la complexité de la législation et de la lourdeur imposée aux citoyens. La complexité de certaines mesures, entre autres l'augmentation de 20% du seuil de loyer dans certaines situations, ne permet pas au public cible de se rendre compte s'il est bien dans les conditions. Il est donc très probable que des personnes qui sont objectivement dans les conditions pour pouvoir bénéficier de cette allocation ne remplissent pas de demande par mécompréhension. Par ailleurs, les ménages dont les revenus de l'année de référence dépassent les plafonds fixés sont invités par courrier à transmettre les revenus récents. Très peu de demandeurs réagissent à ce courrier. Il est probable que la lourdeur administrative de cette possibilité les démotive. Madame la Secrétaire d'État, j'en viens dès lors à mes questions. Tout d'abord, 338 personnes sur 10 380 éligibles à la date du 11 mars 2020, c'est 3,26% seulement de cette population qui, in fine, bénéficie réellement de cette allocation. Une goutte d'eau dans la mer, si vous me permettez la comparaison. Ce pourcentage est réellement interpellant. Nous savons que vous travaillez sur une réforme visant la simplification des critères d'octroi de cette allocation. La nécessité de cette réforme s'est accélérée avec la crise du corona et la précarité économique qu'elle a engendrée. Pouvez-vous nous renseigner sur l'état d'avancement de vos réflexions et le timing prévisionnel de mise en œuvre de cette réforme ? Vu l'accès à l'actuelle allocation qui relève parfois du parcours du combattant, pensez-vous prévoir une attribution semi-automatique ou automatique des droits de la nouvelle allocation loyer en préparation, ce qui permettrait l'attribution au plus grand nombre ? Et enfin, la crise du corona a-t-elle modifié votre vision initiale de la nouvelle allocation loyer ? Si oui, à quel niveau ? Je vous remercie pour vos réponses. Voilà, la parole est à Mme Genot pour sa question jointe relative au nombre de bénéficiaires de l'allocation de relogement. Merci. Donc en décembre 2018, la nouvelle ordonnance de l'allocation loyer généralisée était votée et publiée au Parlement avec votre prédécesseuse. Cette ordonnance était destinée à fusionner les aides existantes, à simplifier les procédures et à étendre le bénéfice de l'aide. À l'heure actuelle, cette ordonnance n'est pas entrée en vigueur. Il existe 4 régimes spécifiques qui peuvent créer la cacophonie. Chaque dispositif a son champ d'application, ses conditions d'octroi et sa procédure administrative. Les 4 aides actuelles, l'allocation de relogement, l'allocation du Fonds régional de solidarité, l'allocation loyer communal et l'allocation pour les candidats locataires ne sont pas tous fusionnés dans la nouvelle ordonnance, ce qui peut prêter à confusion. Ainsi, Madame la Secrétaire d'État, vous avez précisé lors de la commission logement du jeudi 17 octobre qu'il existe actuellement encore des problèmes de lourdeur administrative qui barrent l'accès à de nombreuses familles à cette allocation. De plus, vous avez précisé qu'il était important de veiller à sauvegarder les droits des bénéficiaires
en passant du système actuel au nouveau système réglé par l'ordonnance de 2018. Et moi, j'avais envie de revenir sur une des aides spécifiques. Donc, et donc, je voulais revenir avec vous sur le fonctionnement actuel de la location de relogement, anciennement ADIL, qui reprend donc la location de déménagement, d'installation et de poursuite après. Son champ d'application s'est étendu aux personnes sortant de certaines situations de sans-abrisme. Cette aide est donc destinée aux locataires qui déménagent pour cause d'insalubrité de leur habitat, son étroitesse ou son inadaptation aux personnes à mobilité réduite et aux seniors, ainsi que les personnes donc sortant de situations de sans-abrisme. La somme accordée avec cette allocation est divisée en deux montants, un montant pour le déménagement et une allocation loyer mensuelle d'une durée de 5 ans renouvelable sous certaines conditions. Et donc, Madame la secrétaire d'État, je voulais faire le point avec vous parce que autant on a trouvé beaucoup d'infos sur les autres, autant trouver moins d'infos sur cette allocation-là. Donc, combien de ménages bénéficient de l'allocation de relogement ? Pour mieux visualiser le fonctionnement de cette allocation, est-il possible de connaître le nombre de dossiers transmis à Bruxelles Logement pour les années 2018 et 2019, ainsi que de connaître le nombre de dossiers qui a été jugé incomplet et non recevable? Combien de dossiers déclarés incomplets sont remis en ordre dans le délai de 30 jours? Au final, sur base des modifications des dossiers évoqués ci-dessus, quel est le nombre de dossiers qui répond aux conditions et à contrario ceux qui ne répondent pas? Avec ces données, connaissez-vous et pouvez-vous exposer les principales raisons émises par Bruxelles Logement pour déclarer un dossier incomplet et non recevable? Et les objectifs initiaux de cette prime sont-ils rencontrés? Existe-t-il une évaluation de cette allocation? Si oui, par qui a-t-elle été factuée et sur base de quels critères? Y a-t-il eu des acteurs associés à cette évaluation? Et je profite en fait que ma question est jointe à celle du collègue sur l'allocation loyer de manière plus globale, pour dire que on se réjouit donc de la réflexion qui est lancée, enfin non, du travail qui est lancé pour avancer et permettre à plus de gens d'avoir accès à la location loyer. Il faut donc une attention particulière, je pense à quatre enjeux. Le premier enjeu, c'est de ne pas avoir d'effet inflatoire sur les prix, parce que ça, on jouerait entre guillemets contre notre camp. Le deuxième, c'est toute la question du public qui peut être éligible. On voit que le public éligible à l'heure actuelle est vraiment trop restreint. Et de travailler aussi sur des catégories qui ne produisent pas trop d'effets de seuil. Parce que, par exemple, si on prend juste les revenus CPS, il suffit que quelqu'un fasse 3 jours d'intérim pour qu'il perde, il ne soit plus dans les conditions. Donc, il faut vraiment réfléchir avec des gradations où on diminue un peu l'allocation loyer, mais où il n'y a pas de désincitant à essayer d'améliorer sa situation. La troisième enjeu, c'est toute la question de la simplification et de l'automaticité. On le voit très bien. Si on n'améliore pas ça, on aura travaillé pour rien. Et le quatrième enjeu, c'est de trouver comment en même temps doper notre système d'allocation loyer, mais de ne pas subventionner les marchands de sommeil, parce que ça ne peut pas aboutir à cela. Je vous remercie. Là, la parole est à Madame la Ministre pour ses réponses. Merci Madame la Présidente, Madame Genot, Monsieur Ouriagli, je vous remercie pour vos questions, qui permettra de faire toute la clarté sur la situation de l'allocation loyer. Alors, Monsieur Ouriagli, donc tout à fait d'accord avec vous concernant l'efficacité ou mieux l'absence d'efficacité de l'allocation loyer pour les candidats locataires. On a eu l'occasion d'en discuter très brièvement là tout à l'heure. En effet, bien que l'utilisation de cette allocation et par extension de toutes les allocations de loyer actuellement en vigueur soit louable, les instruments utilisés pour mettre cet objectif en œuvre ne sont pas adaptés au public auquel ils s'adressent. La complexité de la législation est telle que, d'une part, les bénéficiaires potentiels de cette allocation abandonnent les démarches, même avant d'avoir présenté une demande, et d'autre part, qu'il est pratiquement impossible en fait, de respecter la multitude de règles et de procédures d'attribution existantes. Alors, comme vous le savez, le gouvernement s'est engagé à rendre pleinement opérationnelle l'allocation loyer en veillant à une meilleure couverture des publics visés au travers d'une simplification des procédures et un allègement de la charge administrative. C'est pourquoi, ces derniers mois, j'ai travaillé mon cabinet a une réforme du système
des allocations de loyer. Alors cette proposition est actuellement en discussion donc au sein du gouvernement, donc vous comprendrez que je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails alors que je n'ai pas encore eu de consensus trouvé au sein du gouvernement. Cependant, je peux déjà vous informer qu'au lieu de prendre comme base de travail la législation existante et de la modifier, en fait, comme il était usage dans le passé, ben nous sommes partis de zéro. Les anciennes règles et procédures d'attribution ne seront incluses que si elles sont pertinentes pour la définition du groupe ciblé visé. Cela se ferait dans le but de simplifier et d'accroître l'efficacité des subventions. Une fois que le gouvernement aura accepté les principes de la réforme, le processus législatif sera mis en route et l'administration pourra commencer à le rendre opérationnel. En ce qui concerne votre question sur l'attribution semi-automatique de l'allocation, il est vrai que la législation actuelle constitue indéniablement un parcours du combattant pour les demandeurs et les bénéficiaires de cette allocation. S'il existe un large consensus sur le fait que le groupe cible des différentes aides au loyer constitue un public fragilisé, nous ne pouvons dire aujourd'hui si les instruments de l'allocation actuelle sont adaptés en fait à un tel public. Alors nous constatons que tant les bénéficiaires potentiels que les organisations qui les assistent continuent aussi à avoir des difficultés en fait à comprendre pleinement ces instruments. C'est pour cette raison que j'ai opté pour une simplification substantielle de la législation et que l'attribution semi-automatique de l'allocation est un des objectifs poursuivis. Afin de la mettre en pratique, nous utiliserons autant que possible les sources authentiques, c'est-à-dire les données disponibles auprès de notre administration ou d'autres administrations, et cela concerne par exemple les données sur la composition des familles et les données sur les revenus. Le projet actuel sera construit sur cette base. S'il s'avère qu'une attribution semi-automatique n'est pas encore possible, il faudra veiller à ce que les citoyens obtiennent en tout cas un maximum d'informations avec un minimum de charges administratives. En outre, sachez que la pandémie du Covid n'a pas modifié la vision initiale de ce projet. Le plan d'urgence pour le logement fixe des objectifs ambitieux. C'est pourquoi nous avons commencé dès le début de cette législature à travailler sur la réforme des allocations loyers et que diverses simulations et scénarios avaient déjà été élaborés avant la crise sanitaire. Cette pandémie n'a fait que renforcer la conviction du gouvernement à savoir que si les règles sont simplifiées, que plus de personnes peuvent en bénéficier. Cela permettra un traitement rapide des demandes et une communication claire. En ce qui concerne les questions relatives à l'allocation de relogement de Mme Genot, je peux vous signaler qu'actuellement 3119 familles bénéficient d'une allocation de relogement. Cet instrument n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation officielle. Néanmoins, il est possible de vous fournir quelques éléments concernant les objectifs de cette indemnité. L'allocation de relogement et le dernier chapitre provisoire des allocations de loyer appelé allocation de déménagement, installation et intervention de loyer, mieux connu sous l'acronyme ADIL. Depuis sa création dans les années 70, des législations se sont succédées, mais l'objectif est resté le même, à savoir une intervention financière aux familles qui passent d'une maison non conforme à une maison conforme aux normes. La nécessité d'une telle intervention dans les années 70 sur un marché locatif totalement différent de celui d'aujourd'hui était indéniable, mais aujourd'hui le marché locatif a changé et différents instruments et leviers ont été créés pour assurer des aides aux personnes les plus fragiles. En 2004, l'inspection régionale du logement a été créée. Celle-ci a un pouvoir de sanction et son objectif est d'obliger les propriétaires à louer des logements qui répondent aux normes de sécurité et d'équipement en vigueur dans la région. Et d'une certaine manière, ce service a repris les objectifs initiaux de cette allocation de relogement, étant entendu qu'il ne s'agit pas seulement d'une intervention financière, mais aussi d'une aide personnelle aux familles concernées. Ce que l'on observe parfois dans la pratique, c'est que les familles qui réclament aujourd'hui l'allocation de relogement se la voient refuser, soit parce qu'elles n'ont pas déménagé, soit parce que la maison qu'elles ont quittée ne présentait aucun défaut, alors que pourtant, bien souvent, ces personnes remplissent toutes les autres conditions pour recevoir cette allocation, et même souvent, celle d'emménager dans un logement social s'il en existe un. Il semble donc nécessaire de repenser le système afin de le rendre plus efficient. Et en ce qui concerne votre question sur le nombre de demandes pour l'allocation de relogement, 2357 demandes ont été déposées en 2018 et 2260 en 2019.
Il n'y a pas de données précises sur les dossiers qui ont été transmis et qui étaient incomplets, et dans quelle mesure les dossiers sont complétés correctement par la suite. Toutefois, nous pouvons estimer qu'approximativement 50% des demandes soumises sont initialement incomplètes. Et la principale raison pour laquelle un dossier est déclaré incomplet est la multitude de documents à nouveau demandés, la complexité à nouveau des procédures et les nombreuses communications entre les citoyens et les autorités. Je vous communique en annexe, je pense qu'Alice nous va envoyer la liste des documents exigés. En outre, les délais pour introduire les documents exigés sont des délais de rigueur, dont le non-respect entraîne directement le rejet de la demande. Il est donc nécessaire de réformer le système en réduisant les conditions d'octroi et en permettant une vérification administrative de celle-ci au moyen de données existantes via des sources authentiques. La simplification est le maître mot. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos interrogations, à toutes vos questions par rapport à l'allocation loyer. Vraiment, je le dis et je le répète, j'ai vraiment de l'ambition pour cette allocation loyer. Et j'ai envie que ça fonctionne. Et j'ai vraiment envie que plus de Bruxellois aujourd'hui peuvent en bénéficier. Mais seulement la manière, à nouveau, je le répète, dont elle avait été imaginée, initiée, était trop complexe, trop de procédures, trop de critères pour pouvoir en bénéficier. Et il fallait revoir... voilà, la copie, effectivement, tout à fait. Donc, on repartait de zéro. Voilà. Merci. La parole est à Monsieur Ouriagli pour sa réplique. Merci, Madame la Secrétaire d'État. Donc, en ce qui me concerne, je suis assez satisfait des réponses, bien sûr. Et ça, ça n'étonnera pas même Paca, qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. Oui. Donc, vous êtes, j'ai bien compris que vous êtes aussi interpellé que moi par les chiffres et qu'il va falloir revoir ça. On vous attend donc à la rentrée pour cette réforme de l'allocation loyer, même si c'est pas, en ce qui me concerne, même si c'est pas la panacée en matière de lutte contre la crise du logement, qui pour moi l'essentiel c'est de produire un maximum de logements publics. Merci. Voilà, la parole est à Madame Genot pour sa réplique. Merci. Mais est-ce que je n'ai pas bien compris, c'est est-ce que l'allocation d'IRLE, donc de relogement de sortie de rue des SDF, allait être incorporée dans la future allocation loyer ou pas? Donc parce qu'on le voit, c'est quand même un peu différent comme mécanisme, ça touche un public qui est quand même un peu différent, parce que si on doit, les gens doivent attendre d'avoir 6 points, 12 points, 14 points, etc., alors on n'aura plus de mécanisme pour permettre de la sortie de rue de SDF. Et là, il faut vraiment qu'on ait encore... Ça fait vraiment partie du modèle qu'on a imaginé. Ok. Voilà, parce que je pense vraiment... rentrer dans les détails. Oui, non, mais je pense que c'est vraiment important qu'on ait les deux volets, aussi bien soutien au paiement du loyer que sortie de rue, sortie de centre pour femmes battues et tout autres. Tout à fait. Et on voit que... je ne sais pas si c'est parce que c'est un public plus accompagné ou si c'est parce que les formalités sont déjà un peu plus simples. Mais ici, si on arrive à du 50% de public qui se voit accordé, on est déjà mieux que dans l'autre type de l'allocation loyer, où on est vraiment avec une déperdition super importante des gens qui mériteraient pourtant d'être soutenus. Donc, eh bien, on attend avec impatience la suite de la réflexion sur tous ces sujets. Vous comprenez qu'avec 144 personnes, enfin 144 dossiers acceptés en 2018, enfin, les chiffres en disent long, je n'ai même pas besoin de rentrer dans les détails ni expliquer la complexité en fait de l'allocation loyer en vigueur. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On y reviendra à la rentrée, je pense que c'est un des dossiers les plus attendus aussi dans cette commission. On remercie Madame la Ministre. Alors, l'incident est clos. Il était souhaité par tous, évidemment, qu'il puisse y avoir une commission la semaine prochaine. Ça va être très, très difficile, tant au niveau des agendas de Madame la Ministre et nous-mêmes, pas pour le jour classique de commission, mais parce que ce jour-là, on aura le début de la plénière, donc jeudi. Et donc, il y a eu tentative de trouver d'autres moments la semaine prochaine, ce qui a été un peu difficile. Oui, oui, tout à fait, justement. Et donc, il y a eu quand même, au niveau des services, le secrétaire va chercher d'autres moments pour quand même mettre une commission
en dehors du jeudi après-midi qui est prévu pour le début de la plénière. Et donc, ça a été impossible de trouver un autre moment la semaine prochaine. Et donc, ce sera, je pense, le 10 septembre. Donc, a priori, la première date serait le 10 septembre. Donc, ce sera soumis, évidemment, comme d'habitude, le processus habituel, bureau, élargie. Le 10 septembre ? Pas le 17, le 10. Ce sera plus. Les deux premières semaines, normalement, c'est pour la mise au vert, avec les fédécrons, chez les écolos, pas chez les autres. Mais... chez les écolos, pas tout le monde. Les autres, c'est un peu plus tôt. Chez les autres, c'est un peu plus tôt, mais bon. Voilà, ça, c'est des questions de partie, quoi. Donc. Mais c'est pour ça que j'ai dit, ce sera le processus classique au niveau du bureau élargi, et donc si cette date-là ne va pas, ben, ce sera la semaine d'après ou 15 jours après. C'est un souhait de la secrétaire d'État. Et donc c'était aussi une demande de la secrétaire d'État d'essayer de trouver la date la plus tôt, et donc voilà. Donc ce sera proposé au bureau élargi, ce sera décidé à ce niveau-là. Voilà. Simplement, c'était en réponse au fait de l'impossibilité de trouver un moment la semaine prochaine. Donc tout a été fait pour ça, et donc ce sera à la rentrée, et la date qui sera le plus tôt possible, si ce n'est pas le 10. Voilà. Merci à tous. Ça a été notre dernière commission avant les vacances parlementaires. Bertha. Ça y est. Non, Zoé, il y a...